Présenté par Prosciutto. Yeah. Hey, you know what it is right now, c'est malade. Cette semaine, comédien. Il est bon avec sa langue souple. On a Émile Coury dans le building. Jacob Ospian, allez yes checker sir ces gars-là. Son comique béret, son lit comme un feu de forêt. C'est uh-huh malade. Quand ils sont là, là, c'est comme quand tu manges une bouchée de bonne poutine. T'es comme ou comme quand c'est. Oh, shit. Sans commentaire. Sans commentaire, le podcast. Sont là à gauche, à droite. Mike Ward. Rachid Badouri. Toutes les stand-up, man. Ils sont world famous. C'est big business. C'est les future goats du Québec dans le monde. Tu vas s'exagérer, le steak. Le smoke meat, c'est vrai, en parachute. C'est comme ouais, parachute, oui, parachute, tempo, sleeping bag, smoke meat, toutes sortes de conversations. Le temps d'un jeu, un autre épisode légendaire. Big love tout le monde qui supporte. Big love tous les sponsors. Y'all know what it is, man. On commence. Bow! Okay. D'un jujube. Le temps d'un jujube. Major Way! Mielleux, André, okay, mesdames et messieurs, une yes conversation mielleuse aujourd'hui. Uh-huh. On a Jacob Ospian dans le building. Yes. Et Émile Coury, faites du fucking bruit. Ah, t'as remarqué l'hésitation? Non, c'est ça un podcast. Ouais. Merci aux 300 personnes qui sont dans le studio. Big up tout le monde ici. Hey, si vous voulez faire un. Tout le monde qui veut faire un podcast, qui cherche une place clé en main, où est-ce que tu rentres, tout est set up, tout est prêt, tu viens au studio campus, sinon même. Chante à Zach Souzak. Yes, sir. Chante Bilal. Yes, sir. Chante à Bilal. Chante à Bilal, il est venu. Bilal, c'était le chanteur R&B qui matait toutes les hausses. Ouais, il était malade. Tout est carré. Chante à Bilal, écoute, moi quand j'aime mes guests. Ok, crowd, à chaque fois, man. Guys, écoutez, c'est. Ça veut dire qu'ils vous aiment, guys, fait que c'est un bon signe, non? Bienvenue à l'émission. Bon, parfait. OK, il a craché pour vraiment montrer aux gens qu'il en avait dans sa bouche. Ouais, exact. Okay, prends vraiment un shot. Ouais, c'est drôle que tu dises ça. La fille, elle m'a dit ça l'autre fois. Ah, oh, t'as craché pour vraiment montrer que t'en avais d'un couille. Ouais. T'as craché pour montrer qu'on avait vraiment des couilles? Ouais, ouais. Okay. Elle m'a fait cracher, là. C'est ça. C'était le. Tu t'es venu dans sa bouche, puis elle a craché dans la tienne. Elle se passe au Green Bay. Ok, guys, on garde ça pour le Patreon. On arrête de commencer, bro. Attends, deux secondes. Elle l'avait dans sa bouche et était capable de faire une conversation avec toi? Dans le fond, ils sont à quatre. Ok. Elle avait été quatre. Ils étaient zéro. Je sais, mais c'est parce que je fais exprès. J'ai dit à toutes les émissions, puis on reprend. Ok. Ils étaient quatre. Dans le fond, ils ont partagé. C'était toute une affaire buccale orale. C'était comme une huître. Quatre en même temps. C'est-tu quand même pendant ça? C'est-tu quand même pendant ça? Comme. Elle m'a fait le bleu. Parce que tu le vois dans les vidéos, la fille qui a comme. Elle en a dans la bouche, puis elle en donne à l'autre fille, puis elle fait comme. Oh my god, yes! Est-ce que c'est-tu vraiment. Ça fait-tu vraiment bander? Certaines personnes, moi personnellement, non. Moi, je suis comme. C'est des OGs. Mais je la bête. At J7 Official, holla at me, non, mais il fait rentrer dans l'inbox, slide dans les DM, pas de stress. Il prend tout le temps crème fouettée, sa banane royale au Dairy Queen. Ah, yo, pause, relax. Oh, là, tu vas aller un peu loin, mais yo. On a Émile Coury, yes. Jacob Ospian, deux humoristes qui font beaucoup de bruit dans la province. Ils ont un podcast qui fait beaucoup de bruit aussi. Man, les views sont là, c'est le public bruit, est là. Le podcast, en général, c'est bruyant. C'est bruyant. En tout cas, sans commentaire. 100%. Ah, c'est ça le nom? Ça doit être honnête. Oui, c'est sans commentaire. Fait que, tu sais, parlez-nous un peu de vos débuts quand vous avez commencé. Parce que, tu sais, on sait que votre background est libanais. Toi, t'es libanais. Toi, t'es un peu all over the place. Libanais, arménien, latino, il y a plein de dans le mix. C'est comment quand vous dites à votre famille, moi je veux rentrer, je fais d'habitude, tu sais, hey, soit un ingénieur, soit un docteur. Ouais. Non, je veux être un humoriste. C'est quoi les réactions que vous avez eues? C'est ouch ou c'est wow? Moi, mes parents, c'est. Vous êtes vraiment marketing en passant depuis le début. Ça commence à shout-out, puis il y a les petits tags, j'adore. Il y a juste les petits. C'est ouch ou c'est wow? Moi, c'était un peu ouch, mais ce qui était ouch, c'est qu'il n'y a pas eu un oui ou un non. C'est juste que quand j'ai annoncé ça à mon père, il a juste continué de vivre sa vie comme s'il n'avait pas entendu l'information. Puis 10 ans plus tard, là, je suis out de la maison, je fais ça de ma vie. Ouais. Puis on dirait qu'il a juste dû accepter en fin de compte. Mais au début, il y avait une petite incompréhension. Okay, Qu'est-ce que j'aime de nos parents, c'est que mes parents m'ont pas dit oui ou non. Ils ont juste fait « la vie va te dire non ».
OK. Et si tu réussis, ben, ça veut dire que c'est oui. Ouais, exact. Parce que jusqu'à date, moi, mon père c'est mon père comprenait pas ça. Mon père, il est libanais. Il comprenait pas trop c'est quoi le concept de l'humour, mais il était comme, si ça te rend heureux, vas-y. OK, c'est chill. Moi, il n'y a pas eu de ça. Il n'y a pas eu de ça. Moi, mon père, c'est ça. Le moment passe après le cash. OK. So, trouve-toi quelque chose cash, préférablement déclaré, et c'est ça qui passe avant tout. Mais il n'y a pas de situation genre... Ah, c'est ça, là, tu vas compter des jokes, là, toute ta vie, là? Non, c'est que ça, il y a jamais... Parce qu'ils comprennent même pas ça. C'est que ça arrivait même pas au point de, comme, « Oh, je fais face à ça », c'est que non, pas besoin de dire non. Ouais, c'est ça. Mon œil droit va te regarder. Oui. C'est un regard. 100%. Puis après, au fur et à mesure que j'en faisais plus, c'était encore, « OK, c'est un hobby ». Oui, c'est un hobby payant, c'est cute, tu peux payer des petites dépenses, tu vas au McDonald's. Oh non, moi je me faisais traiter d'itinérant par mon père. Il m'appelait en arabe, il me le disait, comme, c'est quoi, tu vas avec ce groupe d'itinérants-là faire 25 heures par jour. Itinérant en arabe pour le Shahad. Shahad? Shahad, oui. Shahad. Okay. Même Shahad, c'est quand même majestueux. Yo, même en arabe, itinérant, c'est quand même majestueux, Shahad. Ouais, c'est quelque chose de prince. Le plus que j'en faisais, le plus que mon père venait voir des shows, puis des fois j'organisais un événement à Cégep Vanier qui s'appelait Habouz et Lalouz. Ah, ça c'est fucking drôle. Puis un vieux monsieur, comme il y avait un humoriste qui s'appelle David Pride. C'est un de mes humoristes préférés, c'est un icône canadien. Il est vraiment bon. Et il y a dans monsieur, la cinquantaine, fin quarantaine, et je puis de ça. Puis à chaque fois que j'avais mentionné, comme je l'avais dit à voix haute autour de mon père, qu'il allait arriver en retard parce qu'il prenait le bus. Mais comme chaque fois il me le remettait dans ma face, comme tu veux être un vieux monsieur de 50 ans qui prend le bus pour aller faire des shows. Ben écoute, shout out David. Il est fucking bon. Non, dis qu'est-ce que ton père t'a dit quand t'as fait le show pis il y avait Roman. OK, son père, c'est la première fois, je pense, qu'il avait vu un show que Émile avait organisé. C'était à Vanier, mais c'était jam-pack de personnes. C'était rempli de personnes. Pis ton père était là, il voit le show, puis comme, quand Émile embarque, le monde s'arrête de hurler. Quand Émile parle, le monde rit, puis son père est comme, OK. Là, il y a Roman qui embarque sur scène, qui close le show, qui est un humoriste incroyable, finit le show. Son père, qu'est-ce qu'il dit, ton père? Oh, il m'a regardé, puis c'est la première fois. Ça, c'est quand j'ai su que ça allait bien se passer, par contre. Parce que toute ma vie avant, c'était que tu vas finir pauvre, tout ça, tu sais. Là, il m'a dit, toi, quand je te vois, t'es pas humoriste. Shahad. T'es plus producteur-animateur. Comme il y a le truc de genre producteur. Parce qu'il a respecté le show. Exactement. Il a respecté le show en général, puis comme toi, quand je te vois, j'ai pas envie de rire parce que ton physique me fait pas rire. Mais Roman, quand je l'ai vu. Il est drôle. On veut rire de lui, comme de ce que lui, il est, à quoi il ressemble, genre de... Shit! Littéralement, son physique, comme il disait, puis c'est des bars en arabe, là, mais il rentrait vraiment de, comme, la manière dont il est construit comme individu, ça drôle. Amène le rire, parce que tu veux rire de ce que c'est le pauvre, genre... OK, fait que dans le fond, il t'a dit qu'il te trouve pas trop drôle. Exactement, oui. Okay. Son père, mais c'est parce qu'en même temps, tu vas avoir l'approbation de son père, parce que son père, c'est le king chef de l'humour. Comme, tu peux pas pogner... plus haut d'humour que ce gars-là. Comme, il est bon avec les silences, il est bon avec les malaises. Okay, ouais. Si t'es bon avec ça, t'es bon en humour. 100%. Est-ce que toi, tu viens d'une famille qu'on se faisait roaster beaucoup? Le côté italien plus, peut-être? Bonne question, quand même. C'est rare qu'on pose des questions. Ben ouais, quoi. Roasted, ben mon père était sa pof. Fait qu'il y avait... sa pof, c'est le weed ou c'est le crack? Non, c'est le... OK. Il était plus comme... Il checkait sur le bord des snacks. Ok, he was roasted himself. Ok, c'est ça, comme une fois, il s'est mis dans le four, il pensait qu'il était une dinde. Genre, un peu ça. Mais lui, il aurait pu breveter des verres, en tout cas, parce qu'il les mettait à l'envers sur le bord des fenêtres. Il dit si quelqu'un rentre, il accroche les verres, ça fait du bruit. C'est le OG des alarmes. Il y a du monde qui ont ADT. Il y a du monde qui ont ADT, il y a du monde qui ont des verres. C'est des alarmes des années 80. Nous, ça a tout le temps été une planche en bois, là. Ah ouais, sur la fenêtre. Sur la planche en bois, c'était comme tu peux empêcher une communauté de rentrer chez lui. Puis ma mère, elle, c'était l'homme puis la femme en même temps. Elle était vraiment hard, là, tu sais. Ok, quasiment que dans un couple, ça serait elle l'homme, là. Ma mère était hard. Ok, fait qu'elle roussait, celle qui faisait quand même qui craquait les blagues. Non, ma mère, c'était comme, gars, je t'ai occupé, là, va dehors. Ok. Mais ça m'a permis de. De commencer à roaster des gens. De commencer à roaster des gens. De connecter avec le street, tu sais. Il faut ouvrir le pot maçon. Roaster, que ça veut dire quoi? Un bien cuit. Roaster, non, mais niaiser, comme dans le monde de la comédie. C'est un petit peu, mais c'est un peu plus. C'est un peu plus gay. C'est un peu plus gay. Ouais, taquiner, c'est gay. Vous avez vraiment cru que tu savais pas c'était quoi? Ok. Ah, ok, ben là, rush. Ça va chercher. Il m'a bien eu. Je lui expliquais. Il était comme ça. Moi, j'étais comme bien cuit. Plus bas que tous du parce que c'est une grosse émission, là. C'est une grosse émission, ça, là. Je l'aime bien. La dynamique est là. Y a-tu quelqu'un qui veut une gorgée de Mama Wana? Non, je sais que ça fait Mama Wana. Qui ont pas l'air. C'est aphrodisiaque. C'est du kimchi, c'est fermenté. Ouais, les Haïtiens disent bois bandé. Ouais, c'est ça. Le Mama Wana, c'est aphrodisiaque. Ça fait un ça, puis t'es comme. Ah! Ouais, exactement. À un moment donné, il y a un gars, il a calé la bouteille, il revient ici, il y avait un bleu dans la face. Ping, en tout cas. Ah, snap.
Non, mais t'imagines, t'es tellement bandé, tu chokes, t'es quand même, c'est fucking mal. Ben, écoutez, gars, c'est le temps de jeu. Moi, je vais me servir, on va prendre un. Hein, big moi, shout out à tout le monde qui moi, regarde, big love. Toi, dernier épisode, c'était un peu rough. Je te comprends. On n'est pas déjà défoncé. Il n'y a pas de trait. Ouais, je suis quand même assez défoncé déjà. Ouais. Deux, mais excusez, gars, je voulais pas vous mettre sur le spot. Je suis en train de saliver maintenant. Et ça a l'air tellement mais bon. Je sais que si je prends ça, c'est fini. Je débarque du pont Champlain. Ah non, mais un petit dernier, c'est à saveur de Kebbe. Non, ils sont. En plus, ils sont pas cuits, ils sont aillés. Non, non. Ben ouais, ben ouais. Ben moi, je cherchais tout des. Mais ils sont pas si forts que ça. On va en la culotte. Ça, c'est pas pont Champlain, c'est genre pont La Chapelle. Si t'es un homme. Je veux pas prendre au complet. Ok. Ou si t'en veux pas, prends pas. Non. Yo, je respecte les gars, au moins ils l'ont fait. Au moins ils le prennent. En plus, sont bons, hein, sont durs. Pause. Quoi? Ok, ça va. Ouais, exact. Ok, non. ça va être quelque chose. Tu le goûtes, hein? Non, t'inquiète pas, c'est correct. T'inquiète pas. Y'a aucun stress. Mais non, t'es good. Je retourne au métro avec toi. Mais non, t'es good, bro. Non, je prends le métro avec toi. Tu vas payer par comète. Vous êtes né. En ces quartiers ville. Ah ouais? Ouais. Ok, on n'est pas loin. Je peux pas te le confirmer. Je pense que Dorval, okay. Ou Sainte-Rose, okay. Ou Chamédé, okay. C'est un des trois. Hein? C'est fou. Ouais. Un peu des trois. C'est un peu des trois. Sa jambe vient des Bermudes. Ouais. Puis vous êtes né à quel hôpital? Sacré-Cœur. Saint-Justine. Okay. Okay. Sacré-Cœur. Shout out à Paulo et Suzanne. Ouais, yo, gros shout-out à Polo et Suzanne. On a grandi, mais on a grandi au Polo. Ouais. Yo, c'était malade. Mais tu sais, après les clubs, là, t'allais là-bas, tu prenais un bon petit déjeuner ou une petite Philly Bomb. Philly Bomb? Moi, je prenais le déjeuner. Philly Bomb, ça, t'as vu, ça, c'est le New Wave. Moi, je parle du old school. Oh, fuck. On arrivait des fois, là, moi, j'arrivais, donne-moi une poutine, donne-moi ça. Mears, shout-out Mears. Non, bro. Donne-moi des crêpes. J'étais comme, ah ouais? Puis les crêpes à 4h du matin, ouais, ça, c'est lit. Vrai. Non, gros spot. Moi, j'ai connu au club des Sciences, eux autres. J'étais en train de mixer, tu sais, je faisais un party. Les propriétaires de Paul et Suzanne? Non, ouais. Ben, c'est le même, j'ai connu. Moi, okay. Je mixe, puis ils viennent me voir. On est propriétaire d'un resto, plus dans l'Ouest, ça, dans l'autre. Ah ouais, c'est quoi ton nom, Paul et Suzanne? C'est comme ça, avant. Oh shit, c'est vraiment là, OG. C'était les OGs. Ils m'ont confirmé. Il y a un tatou sur la fesse, Paul et Suzanne. Là, comme... Ok, c'est des. Ouais, ils sont c'était... ouvertement échangés. Puis il est fatigué. Tu le voyais dans ses yeux, il était fatigué. Non, mais quand t'as ouvert Paul et Suzanne, t'es fatigué. C'est un gros accent québécois. Là. En tout cas, tu viendras, on est ouvert bien tard le soir, tu manges des bonnes tissus. J'étais comme wow. OK, pause. Il y a trop de pauses dans cette émission. On vient de commencer, là, bro. En tout cas, shout out tout le monde. C'est pour ça que je te dis que j'aime mieux rester et pas parler trop bien, parce que je dis la vérité puis il y a des pauses. Mais c'est la vérité. Mais c'est ça, je te dis. Yo, tu spinais dans des clubs échangistes? J'ai mixé pas mal partout. Le monde s'éclate partout? Ouais, ou c'est comment, bro? Ça dépend lesquels. C'est-tu devant toi? Ça se passe, genre? Il y a juste Crowd qui donne sa vie en chanson, puis genre une chanson de Il est comme throw your hands in the air, par moi, il est comme I can't! I'm holding something! Le gars, il est comme oh yeah, je parle le Usher, yeah! Juste pour fêter. Non, mais ça dépend. Il y en a que c'est des deuxièmes étages, il y a des portes ouvertes, là, tu passes, tu checkes dans la porte, t'es intéressé, tu rentres. Ça doit c'est-tu comme ça, genre? Des fois, c'est en bas, le bar, il est en bas, le monde boit en bas, ça se touche, ça se colle, mais ça reste quand même respectueux. Il y a du monde vraiment. Attends une seconde. Mais sais-tu. Attends, ouais. Là, qui sent, qui non, pue, c'est qui t'es vêté, ils te font tester. Ouais, ouais, non, mais attends, si tu marches en haut, là, puis il y a les salles, puis tu regardes. Tu peux pas rentrer. Tu rentres comme ça, straight up? Non. Tu peux rentrer. Si la porte est ouverte, tu peux. Il y a un code. Ok, il y a des codes. S'il y a un pas, c'est comme, ouais, baisé. Non, mais tu rentres, mettons, ok, courir est nice, ça sent comme un chien. Tu peux rentrer. Tu comprends, genre? Mais il y en a que des fois, c'est juste comme un regard, tu vas savoir que t'es pas le bienvenu, là. C'est comme, tu comprends ce que je veux dire? Oh fuck, ok. Le gars, il est. Non. Ouais, il respire comme un bœuf. Tu sais, il y a plein de. J'imagine que c'est pas pour tout le monde. Trop de détails, bro. Est-ce que ça se passerait pour vous, ma condition? Mais on dirait que je suis relativement germophobe. Sur moi, ce serait. Okay, ouais, lui, ça serait. Moi aussi, je suis un peu de même. Moi, c'est juste. Comme... T'es-tu le Howie Mandel du. Non, non pas germophobe à ce point-là. J'ai pas envie juste de toucher par erreur le trou de cul de quelqu'un d'autre. Ouais. Ça, c'est fort sur moi. Comme la membrane. Comme la membrane, shout-out à la membrane. Ouais, shout-out à la membrane. Mais ouais, non, moi, je pense pas. Moi, je pense que je suis un petit peu plus. Mais si tout est propre, oui, tu le ferais. Si, genre, si, comme avant que ça ait lieu, avant qu'on éteigne les lumières. T'as vu? Si j'ai vu une équipe à la Wuhan, oui, rentrer ouais, puis si t'as vu du monde tout nettoyé, t'as fait OK, j'ai rentré mon quelque part. Je vais. OK, oui, t'as raison. OK, moi, c'est Julie Maton. Hey, tu te squirtes dans la bouche? Ça finit comment cette histoire-là? Est-ce que je la connais? Ouais. Non, mais non, tu viens d'arriver au club à cause que j'étais DJ. T'étais ah, mais tu vois, même moi, je ne pense même pas squirter à un 15 km radius de moi si je ne connais pas. C'est parce que je ne sais pas comment laver les vêtements. Je ne veux pas que ça rentre dans mon œil, c'est un pink eye, c'est plein de problèmes. Dans le fond, vous êtes dégueulasse propre.
Oui, je suis dégueulasse. Moi, c'est un essai dégueulasse, mais il y a une... okay. Ouais, c'est ça, il y a un minimum de propreté. Ouais. Okay. Un doigt ou deux doigts? Dans le cul? Offrir ou recevoir? Dans quoi? Ça m'est pas encore arrivé. Dans quoi? J'en ai parlé avec ma femme en plus. Mais un ou deux doigts dans quoi? Ok, que quelqu'un met un doigt dans le cul. Yo, j'en reviens pas que j'ai trouvé des gars qui sont down avec toutes les conversations crowd. Il est là. Mais quel doigt? En avant, en arrière, recevoir. Je n'ai jamais mon adresse à personne. Je peux pas recevoir rien par la malle. Ok, oh. Ok. Moi, j'ai essayé deux fois dans le cul et j'ai pas aimé ça. Ouh. Peut-être parce que je t'ai pas lubrifié, j'ai essayé des doigts dans le cul. Mais c'est que la fille me l'avait même pas dit, elle a. Puis moi, j'ai fait, hein, non! Là, tu tombes des conversations à Jay. Ouais, c'était comme weird parce que j'avais comme pas demandé. Puis la fille, elle met son pouce, puis j'ai fait. J'ai fait comme, ah! Puis là, elle fait comme, qu'est-ce qu'il y a, t'aimes pas ça? Puis je suis comme, ben, écoute le bruit. C'est rare que, ah! Ouais, j'ai pas fait comme, ah! Ok, c'était pas, c'était plus. C'était comme. Puis elle a fait comme, ah, je pensais que les gars aiment ça. J'ai comme, OK, peut-être les autres. Attends une seconde. Elle a fait ça uninvited, là. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Ça fait parce quand même mal. T'es déjà tombé exactement. Sur ta bicyclette une journée d'été. C'est comme, t'as pris un petit. Tu pensais que tu veux pogner le trottoir. Au moins, mais T'as essayé de job le trottoir, mais t'as mal calculé. Oui. Ma famille était tellement pauvre, ils m'ont même pas acheté de bain. Ouais. Ça, c'est raciste. Ça, c'est bon. C'est bon. Hey, comment ça? C'est pas grave. J'ai une relation avec une fille d'Avatar, tu sais. Mon Dieu Christ, je suis avec elle. On va garder ça pour le Patreon. Mais je pense que c'est ça le cul. C'est comme, je pense qu'il faut, il faut qu'il y ait un meeting. Il faut qu'on brief. Il faut qu'on en parle. Avertis-moi au moins. Mais un avertissement comme genre, comme on en parle. Tu sais, comme un petit verre de vin, on en parle. Elle t'a comme graffiné avec son oncle. Non, vraiment. Deux semaines, t'es allé aux toilettes, tu passes à elle. Ouf. Ça brûle un petit peu. Une fissure anale, c'est pas bon un mercredi. Waouh, surtout quand c'est comme pas la. Tu sais, une fissure anale, c'est pas. Une fissure anale, ça fait du mal quand tu sais que c'est pas toi qui l'a provoqué, c'est quelqu'un. Ça fait chier parce que c'est comme salope de merde. Oui, c'est vraiment. Après, parce que comme... quand c'est ton frère, t'es comme. Comment tu. Ah, que quand c'est ton frère. Oh my god. Vous avez pas été fissure anale quand t'as. J'aurais pas dû demander. Il était déjà curieux. Tu me dis. Ça t'est pas arrivé de commander du Mr. Puff puis manger les 55 puis arriver le matin puis tu chies un peu du sang, t'es comme un fissure anale. Le Mr. Puff, c'est ça que ça fait. Shout out à Mr. Puff. I mean, yeah, big love. C'est bon. T'as vraiment envie d'aller aux toilettes faire caca, Jean-Pierre. Mais c'est ton caca. Fissure anale? Ouais, le fissure anale, c'est quand ton caca. Comment que je vais transitionner? T'as une fissure dans ton anus. Ouais, mais c'est pas ça le déchire. Je mangeais trop. Comment ça que je suis supposé... Dur, ça sortait. Toi, c'était entre 2-3 diarrhées. Oh, c'est entre 2-3 belles provinces. Oh, ouais, sans commentaire. Ben, écoutez, oui, je voulais parler de Rachid. Je sais pas comment j'allais positionner c'est ça. C'est parfait. Mais je sais que vous travaillez beaucoup avec Rachid Badouri. Yes. Comment que vous avez connecté avec lui? Parce que c'est quand même une légende. En passant, tu me regardes moi et tu dis, vous travaillez beaucoup avec Rachid Badouri, puis il y a lui qui me regarde. Puis moi, je suis comme, ben, j'ai fait deux, trois fois. T'as ouvert des shows pour lui aussi? OK, ouais. Parce qu'il n'était pas disponible. Ah, OK. T'es vraiment le... Oh, OK, ah ouais, ouch. Vrai, j'ai ouvert un issue entre vous autres. Excusez-moi, guys. Non, ça a été parlé public. Mais vous êtes quand même des bons amis. Ça fait pour ça. Ouais, c'est la famille, c'est le parrain de ma fille. OK, mais... Non, il y a un chez métro, mais c'est quand même... Mais Rachid des boucles... Ça, c'était un poste. Ouais, ça, c'est fissure. C'est drôle, ça. Oui, ça, c'était bon. Mais Rachid des boucles juste toi, dans le fond. C'était bon ou c'était pas bon? Attends, ce qui était bon, je comprends si plus. Si t'es un homme! Ce que je suis en train de dire, oui, c'est que. Ok, excuse-moi. Lui a été booké aussi. Oui. Mais en remplacement parce que t'étais pas disponible, c'est ça? Mais c'est quoi? Vous avez fait des chiffres? Je comprends plus. J'ai fait la job! Il y a une agence de score des chiffres. Non. Ok. La première partie de Rachid. Qu'est-ce qui est drôle en ce moment? C'est parce qu'on fait beaucoup des blagues là-dessus. Ouais. On fait beaucoup des blagues sur. C'est que l'expliquer, c'est triste sur quel genre de blagues on fait. C'est vrai, mais. Ok, c'est vrai, vas-y, continue. So, je le fais plus souvent. Ouais. Toujours. Parce qu'on est trois en alternance. Qui font les shows avec Rachid. Un petit peu plus régulièrement. Puis Rachid a voulu, dans ce spectacle-là, donner beaucoup plus d'opportunités à plein de monde. OK. So, il y a plusieurs personnes. C'est comme nouveau qu'il fasse ça, right? Ouais. Est-ce qu'il faisait ça avant? Il faisait pas ça avant. Puis même au début, il était beaucoup avec Eddie King. Ouais, shout out. C'est une sorte de boss, ça? Eddie King. J'ai compris, Eddie K. Excuse-moi. Eddie King. Ouais, OK. C'était juste Eddie, puis après, il a commencé à faire les préparatifs avec un gars qui s'appelle Mike Baudouin, qui pète sur TikTok maintenant, ça va super bien, ses trucs. Ah ouais? Puis après, quand il a parti la tournée... L'application Scratch and Sniff TikTok, il pète dessus. OK, non. Merci. Vas-y, continue. Fait que là... Ça, c'est quand quelqu'un fait un bon call. Non, ça c'est juste une homme 5 swag purposes, you know? Que parfait.
Ça veut dire Mike Baudouin est rentré, on a été plusieurs humoristes après à juste rejoindre, puis il voulait donner plein d'opportunités à plein de monde. C'est nice. Il a commencé à faire plus les bars, parce que Rachid a pété avant de commencer à faire le circuit normal, les bars, les comedy clubs, puis commencer à monter. So, il a voulu, dans cette tournée-là, retourner aux sources, puis vraiment recommencer à tester dans les soirées. So, ça a fait en sorte que... Okay. On nous a connus, ouais. Mais toi, t'es partout avec lui. Là. Je t'ai vu faire le tour de la province là, avec on Rachid. En fait, quand même, il m'emmène quand même beaucoup sur plusieurs spectacles. C'est quand même fucking cool. Il m'a amené à Rimouski, en Abitibi. C'est comment, est-ce que tu prépares ton set différemment quand tu open pour lui ou c'est la même chose? Ça dépend où est-ce que tu vas. Plus que tu vas en région, comme on a fait un show à Alma, puis je parlais avec du monde en arrière, puis j'avais une joke sur Uber. Là, je suis comme, est-ce que vous avez Uber ici? Comme non, on a 3 chauffeurs de taxi, là, puis on les connaît. C'est Sylvain, François, puis Francine. Ils sont là au show. Ils sont okay. Loin, ils peuvent pas donner de lift. Fait que si tu veux un lift, c'est dommage. Ça, c'est vraiment comme tu builds ton set autour de la ville qui te reçoit. Puis j'aime toujours faire un petit 2 minutes au début de mon set sur la ville. Parce qu'il y a beaucoup de fois où est-ce qu'on faisait 2-3 soirs. Où est-ce que le premier soir, par exemple, quand on a fait Rimouski, ouais. J'ai fait un set carré. Puis c'est rentré, mais pas autant que j'aurais voulu. Puis là, je suis comme, OK, peut-être qu'ils n'ont pas connecté assez rapidement. Ouais. Puis là, j'ai fait le tour de Rimouski. Puis là, après, bizarre, le deuxième set. Mais c'est pas assez où, tu parlais un peu de la ville. Je parlais un peu de la ville. Je disais, il y a un truc qui s'appelle le marché du monde. OK, ouais. Puis c'est une épicerie multiethnique. Mais ultra multiethnique. Il y a des produits quasiment faits à la main dans des bouteilles Naya, comme c'est chippé du Congo, là, des épices vraiment top. Puis tous les employés, c'est des blancs. Tous les employés. Okay. Ben, s'il y avait toute une joke sur comment je veux pas que Maxime me conseille sur les hummus, là, c'est pas lui qui s'en est. Ça serait weird. Ça serait un petit peu weird. Ouais. Ça, c'est mon nom. T'as l'air Max? Ouais. J'ai ma même. Maxime, exactement. Ça se passe vraiment mal pour que tu travailles dans une épicerie multiethnique à Rimouski pendant les fêtes. Ouais. Non, ça c'est le meilleur humus. Mais il a raison, parce que même quand t'arrives dans une crowd, même si c'est un show que genre, ils ont payé pour voir un show d'humour, ça reste que si tu leur parles pas juste un peu au début, c'est weird. Ouais. Ils comprennent que c'est des blagues. T'avais déjà si... mangé du humus cochon? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est une sorte spéciale, là, c'est homosexuel. Non? Écoute, c'est correct. On est avec des humoristes, au moins ils vont nous dire vraiment. Il y en a d'autres, ça va juste être bon. Mais tu vois, son père, c'est ça. Son père m'a fait ça une fois. Quoi? Non, mais c'était même pas une joke que j'ai faite. J'ai posé une question, puis c'était le silence total. Tu dirais que mon père t'a vraiment marqué. Mais il est fort. C'est parce qu'il est fort avec les silences. Chez nous, il n'y avait pas de silence. Puis il fallait tout le temps qu'il y ait du bruit. Puis genre, avec son père, ça arrivait à un moment donné que genre, j'ai posé une question, mais il va vraiment juste regarder comme. Mais des fois, le silence, ça peut juste une façon de. Elle pourrait être super bonne, puis on donne juste un silence. Veux-tu qu'on explique c'est quoi la question que tu avais posée à mon père? Jacob, puis moi, on a pogné un troc pour amener des tables. J'avais mon party de fiançailles l'année passée. Congrats. Merci beaucoup. Puis c'est mon père qui nous avait prêté le camion. Donc je ramène le camion au garage de mon père. Puis il t'arrête de nous chicaner pendant qu'on est là. Il rentre, tout ça. Puis on sort, puis je dis, oh, ça part mon père. Puis là, Jacob voulait faire bonne première impression. Il voulait start off avec une question. Non. Il a regardé mon père dans les yeux. Non. Puis c'est attends un peu, laisse-moi terminer. Il a regardé mon père dans les yeux, puis il a dit, est-ce qu'on va vous voir samedi? Là, mon père est comme, samedi, mon fiancé de Émile? Là, il est comme, ouais. Là, il est comme, oui, je vais être fiancé de mon fils. Comme ouais. C'est plus ça, c'était une blague, mais là, tu fais passer mon père pour un fils de pute. Non, écoute, j'étais sur pression. Parce que je suis avec son père tout seul. Son père fait, comment ça va? Je dis, ça va bien. Je dis, toi, comment ça va? Mais ça va bien. Il me dit, comment va la famille? Je vais super bien. Mais là, il faut que j'y pose une question. Ouais. Puis là, il m'a demandé s'il va être au... Il me regarde bien comme... Fait que là, je suis comme, est-ce que vous allez être là samedi? Puis là, il m'a regardé, il me dit, si je vais être... au party de mon fils. Là, il regarde. Émile s'en vient en marchant, puis de loin, il regarde Émile, il fait. Mine aide. C'est comme. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit bon pour moi, puis il a dit parce qu'il savait qu'il allait comme jouer à Arbal. Ouais. Lui, c'est un imbécile. Je suis pas bon avec la pression. Ouais. Ouais. Fait que, OK, mais là, j'ai une autre question, Rachid. Excuse-moi, Jacob, là, mais il t'a invité à son party. T'as fait une affaire, là. Je sais pas, c'était-tu pay-per-view, là, cette affaire-là? Là? Pourquoi tu tournes le couteau dans la plaie? Non, mais je sais. Mais c'est parce que... J'étais là! OK, t'étais là? Mais je performais pas! Non, mais parce que je sais que mon boy Fadi était là. J'étais dans la régie! Fadi était là. Il a fait un événement. J'avais dit mettre plus de volume! Il a fait un événement, tout tuxedo, je sais pas quoi, tout bien formel, puis tout. Puis j'ai vu que t'étais là, Fadi était là. C'est-tu un dîner des cons? Juste pour te mettre en contexte, Rachid a fait un truc. Je sais. So, dans ce cas, j'étais pas. Non, c'est juste moi qui a performé dessus. Ouch. Sorry. Payé par Amazon. Sorry, Jacob. Excuse-moi pour ça. T'étais-tu là, Omar? Non.
Non, j'étais pas là. Moi, j'étais pas invité. Non, mais lui, il faisait des tirages moitié-moitié. Ouais, le tombeau, là. Le tombeau? OK, ouais. Donne-moi une shot, là. Moi, je vais te prendre de l'eau. Si ah ouais, pas de problème. Ben oui, les gars, servez-vous, man. Les jujubes, ça rend thirsty, non? Tabarnak, hein? Puis le grind des podcasts, ça fait combien de temps? Vous êtes rendu à combien d'épisodes là, de votre 100... podcast? On est à 149 vrais épisodes, puis on a à peu près 70 épisodes bonus. On a 70 psychoses. Hey, pour les gens qui ne vous connaissent pas, les tournants à la maison partout au Québec, le nom de podcast... Sans commentaires. C'est hard quand même. C'est un peu comme quand on l'a commencé tout le temps? Ou maintenant pour c'est pas juste des histoires de cul, mais c'est vraiment unfiltered. On n'a pas le trigger facile. Des fois, avez-vous des backlash sur des choses que vous parlez, que des fois, ça peut être hard ou whatever, puis des commentaires? On a eu les courtiers. Moi, je me suis fait... Mais du backlash, ouais, moi, je me suis fait détruire par des courtiers parce que j'ai dit que c'est une job qui n'existe pas puis qui vaut rien. Pourquoi? C'est une blague. So, ce que je suis en train de dire, c'est qu'à la base, je suis rentré dans une chaire qui disait que les courtiers immobiliers... ça a besoin en général d'un sixième année primaire puis rentrer dans toutes ces choses-là à la c'est là que Crowd va m'annoncer qu'il est courtier immobilier. Ben, ça là, fait trois ans que j'étudie là. Non, moi, je vends de la poutre. Mais je suis un vendeur quand même là, mais c'est la même chose vendre une maison et un kilo de coke. Puis je faisais des blagues, je donnais des fleurs aux courtiers parce que j'étais jaloux dans le temps, parce que c'était la partie de la pandémie où est-ce que tout le monde devenait courtier. Puis il essayait de s'acheter tout le monde quoi? Devenait courtier, puis j'essayais de m'acheter de quoi, puis ça fonctionnait pas, sauf j'avais mal dirigé ma haine. Puis c'était un épisode à la blague. Ouais. On l'a sorti, puis j'ai reçu c'est la première fois de ma vie que je recevais du hate mail. J'avais genre 200 followers sur Instagram. Puis on faisait des 60 views par épisode, là. Personne nous écoutait. Puis celui-là, il a explosé. Il y avait 69. Il y en avait 9 de plus. Je me réveille, puis je vois qu'on avait comme 400 views sur l'épisode dans une journée, puis c'était pas normal pour nous. Je checkais les commentaires. Puis sur ton Gmail, tu peux voir tes commentaires. Même s'ils ont été supprimés de YouTube. Tu les vois. Puis je vois, j'ai reçu genre 2-3 menaces de mort. T'es comme, on est plus de 16 000 courtiers immobiliers au Québec. C'est une profession honorable. C'est ci, c'est ça. Puis là, je suis comme, OK. Puis ils supprimaient. Ça faisait qu'ils supprimaient YouTube. Des maisons. Il n'y avait même plus de maisons à un moment donné. Je checkais là, dans toute l'area. Il y en avait genre 250 sur 16 000. Comment tu fais de l'argent? Ça partait rapidement. Puis ce qui est drôle, c'est qu'après, un courtier nous a inbox, puis il est comme, yo, j'ai adoré ça, j'ai trouvé ça fucking drôle, votre post. Je veux vous sponsoriser, je veux vous supporter. Ah, ça, c'est j'adore lit. Ce que vous faites. Puis on a fait, c'est Harout, on a fini par faire. Big shout out. Ben oui, Harout, lui est partout. Tachidjian. Harout et Tachidjian de chez Proprio Direct. C'est à cause de nos pubs, et on va hard. De comme nous, on disait des trucs de genre, t'as étranglé tes enfants dans la maison, puis tu veux acheter une nouvelle maison, c'est Harout Tachidjian qu'il faut que tu contactes. Okay. Lui disait Harout Tachidjian, il peut vendre des transplex. Des duplex. Et des transplex. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'avec Harout. C'est quoi Harout Tachidjian? Harout Tachidjian. Tachidjian. On a tellement parlé de ça. Non, ça c'est le gars, c'est le courtier, bro. C'est le gars, bro. Ok, non, mais je pensais. C'est pas une bannière, c'est pas comme Remax, Harout Tachidjian. C'est le chemin pour se rendre chez John. Ça ressemblait à ça, la route Tachidjian. Il est trop fouille avec les mots, c'est ça qui est incroyable. C'est que tu connectes des consonnes que. Comme c'est la rue Saint-Martin, Harout Tachidjian. So Harout, après, on a tellement hammered down son nom qu'on se faisait gueuler Harout Tachidjian dans la rue, là, du monde qui nous voyait de loin. Puis... Hey, lui, on avait fait puis des shows. Ça a marché pour lui. Là, c'est fucking nice, il a pogné des followers. On avait fait des shows, Harout Tachidjian était dans la salle, puis à la fin de show, il y a du monde qui venait de voir comme « Pourquoi tu nous as pas dit qu'Harout était là? » Ouais, c'est ça. J'ai pris une photo avec, tabarnak. Sa face sur les jeeps, le monde prenait des selfies, des postait, puis il taguait Harout Tachidjian. That's funny, bro. Ouais, ça, non, mais c'est cool parce que vous allez hard avec vos sponsors. Comme même l'avocat. Oui. C'est comme, yo, si tu veux faire. En tout cas, vous dites des shit fucked up. Il y a des là, choses qu'on peut pas dire sur ce podcast parce qu'il y a du monde qui écoute qui vont amener en fruition ces activités-là. Nous, mais... Non, mais vous avez une chimie intéressante. Là. Fait que si je vous disais, comme, faites-moi comment vous faites un pitch genre de disons Harout ou bien l'avocat. Qu'est-ce que tu veux qu'on vende? Inventer une compagnie. Ouais, inventer de n'importe quoi. Major Way. C'est quoi ça? Un music label, une compagnie. On vend le meilleur produit pour les balayeuses du Québec. Vous vendez les meilleures balayeuses du Québec? Non, pas les meilleures balayeuses. On vend pour les balayeuses, t'inquiète. Il y a trop de termes. Moi, je suis à l'école. Moi, je suis allé au privé. Okay, c'est vraiment difficile pour moi de suivre ces termes-là. Major Way, on vend les meilleurs livres de sexualité au Québec. OK. Ça fait combien de temps que t'es avec ta femme? Ça fait 8 ans. je vais te caler, OK? Prépare-toi. Okay. Ça fait combien de temps que t'es avec ta femme? Ça fait 8 ans, bientôt 9 ans. Bientôt 9 ans. OK. Est-ce que t'es un gars qui aime lire? J'adore lire. Préfères-tu te faire sucer, bouffer le cul ou lire? Yo, ça serait un mélange des deux. OK, parce que moi, je vais t'expliquer quelque chose. Vas-y. Puis je vais te l'expliquer in a major way. Major way! Ta femme, ça fait 8 ans. Elle te regarde, t'es un vieux crouton pour elle. Je l'ai pas encore fait venir. Et ça, c'est normal. Oui.
Toi, t'es déjà venu, souvent. Des fois, j'ai dit « pense à moi » et je viens. J'ai un livre pour toi. Oui. J'ai un livre pour vous. Major Way. Toi, Crowd, je te vois, là. Ouais. Je suis un gros fan de ta vidéo sur Pornhub, en passant. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Hey, c'est rare, il n'y a pas grand monde qui hey, ça. Pas beaucoup de monde l'ont catché, ça. Pas beaucoup de monde l'ont catché. Ouais, par contre, il faut que tu up ton game. Oh. Okay. Est-ce que tu l'as lu, ton livre? Ouais, ben, un peu. À la fin, il y avait des techniques, justement, avec les doigts, parce que je suis DJ. Clitoris, entre le nombril. Attends, on va revenir à la pub. Okay, est-ce que ça aide vraiment? Est-ce que tu as certains réflexes de DJ qui aident vraiment au lit? Ouais, je pense que oui. Puis tu comme t'es capable de spit, là, tu gardes la salive, puis tout ouais, le kit. Crap. Est-ce que t'es déjà arrivé une groupie ou une femme qui était comme t'es down avec elle, qui est comme yo, spin-moi comme DJ Scratch Bastard, là, je sais pas comment truc. C'est déjà arrivé que tu la faisais venir, t'es capable de faire un loop. Ouais, mais à un moment donné, j'avais commencé, puis elle spin that shit, à tourner de bord, elle voulait que j'aille dans le deuxième, mais j'ai dit non, quand même, j'étais un gars réservé. T'es pas un gars de deuxième? T'es pas un gars de... T'as besoin du livre Major Way. Et c'est vraiment pour ça que Major Way sur www.majorway.com. Ouais. T'as tous les livres à sexualité. C'est fou, ça. Vous l'avez pété. Round of applause. Round of applause. Yo, le segue en plus avec ton... C'est freestyle. Je respecte. Je viens de comprendre la technique. C'est qu'on va essayer de te coincer pour te dire, gaffe, faut t'ajouter le livre. C'est qu'on parle de quelque chose de personnel puis tout le reste, c'est vraiment... C'est souvent une activité qui arrive très dans le moment présent, comme si nous, on promotait un avocat en droit criminel, donc il fallait qu'on tourne autour du crime. Mais toi, maintenant, tu prends du brain, là. Tu trouves-tu que c'est une activité cérébrale? Du brain? C'est quoi ça, du brain? Se faire sucer. Ouais, prendre du brain, c'est se faire sucer. Ouais, en voulant dire que ça te head, brain. Head, brain. Head, brain. Get it? Oh, mon cerveau est tellement déconnecté quand il se fait sucer. C'est une activité célébrale, tu comprends? Non, mon cerveau. Ah ouais. Okay. J'ai essayé de faire un pitch de. Est-ce qu'il en fait autant que ça d'habitude? Ben, je voudrais, mais je me retiens. T'sais. Retiens-toi pas, bro. Je sais. Droplet, t'es sérieux? Il faut pas se retenir, il faut laisser aller. C'est pour ça le livre Major Way, c'est pour toi. Ouais, mais plus que je me retiens, plus que ça sort. Par l'extérieur, par contre, pas par... par l'autre trou. Il est comme, moi, j'ai jamais fait ça. Je vais à la bibliothèque, je lis des livres de Nathalie Simard. Non, je voulais checker le livre Major Way, mais il y avait une couple de pages collées. Non, oh! Comment, quel est ça? Non. Moi, j'étais prêt pour Major Way. Moi, j'étais prêt. Quand elle dit Major Way, page collante, c'était comme non, Major Way! Come on, man, there you go. O, Major Way, O-U-I. Adamo, il y avait ça. C'est jamais Major Way. Major non, c'est tout le temps Major Way. Non, oh. Major Way, ouais. Ah, c'est vrai. Fait que, ouais. Fait que c'est ça. Là, on a parlé de... Les pubs. Haruta Shijan. Les pubs. Rachid Badouri. Rachid, le podcast. Yes. Mike Ward, sous-écoute, là. Yes. Ça fait 3-4 fois que vous le faisiez. Yes. Attends une seconde. C'est-tu juste Emil qui est allé ou. Wow! Okay. J'étais dans la salle. Ok, t'étais dans la salle. Non, ça, il a fait plus que moi. Ouais. Ah, ça, il a fait there you go. Il a fait 5 fois, puis ça n'a rien donné. Wow! Oh, ouch! Non, mais c'est comment que vous arrivez c'est ça? C'est sérieux, bro? Reviens avec quelque chose. J'avais rien, je me sens juste drôle. Je me sens mal quand c'est unidirectionnel. Ouais, je voulais pas le faire parce que j'ai juste l'air méchant. C'est quoi? Dans le fond, il est plus aimé que toi, si je comprends bien. Pas du tout. Non, c'est juste, je l'ai brossé, il est supposé brosser. Mais j'avais rien, je trouvais ça juste drôle. Votre relation avec Jérémy depuis Mike, si tu écoutes, ça n'a pas fucké, tout est bon, vous y parlez encore. Des fois, on est des boys. On like ses commentaires. Ouais, c'est bon. Toi, t'es un fan de Jérémy? Quand même, fais des affaires. Yo, il hustle. Fais des affaires. Pas vraiment, dans le fond. Ben, je l'ai déjà vu une fois. Là, il a fait un show au Fofun électrique. Oh, tu l'as vu performer live? Non, mais moi, j'ai arrivé à la fin parce que j'étais DJ le soir. Ah, quand il faisait rock, genre, puis... Ouais, quelque chose comme ça, parce que j'ai laissé mon stock en haut. Yikes. J'allais manger au Spice Bro. Okay. Poutine Chicken Bar. Checker ça sur Sainte-Catherine. Gang shit. Spice Bro gang shit. Mais, ouais, j'ai joué de m'affilier à quelque chose que je suis aucune. Je sors un gars qui m'attend. Tu vas sortir, il va voir les vrais. Un petit transfer. Donne-moi un petit 25. Tu vas sortir dehors. We're the real Spice Bro. Je fais shot en plein milieu. J'en ai l'évêque. Toi, t'es comme, I don't feel anything. Edibles is in my body. Les Québécois, nous autres, on a deux épices et nous, on a comme lui pour le poulet Saint-Hubert, qui est orange. Qui est incroyable. Ou lui pour le steak qui est finalement. Montreal Steak Spice, c'est les meilleurs. C'est les OGs. Classique. Poivre, là. C'est pas mal Clubhouse, c'est-tu canadien? C'est québécois? C'était pas trop hip-hop, ça. C'était plus des DJ techno house dans le temps qui est au club. Ah, come on. Ah, fuck, ok. C'est pour ça que je veux pas faire. Je voudrais pas faire 5 minutes d'humour. Mais je le prendrai. Mettons, je te dis. Il faut que tu prennes les coups. J'aimerais ça essayer, bro. Faut que tu prennes les coups. Mais ça, c'est drôle. Faut que tu prennes les coups. J'aurais jamais de face-là comme toi. Exactement. Ça, c'est bon. Le crowdwork, c'est incroyable. Ça, c'est bon. Non, mais c'est ça. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de similarités entre ça et le rap. Ouais.
Oui. Beaucoup, bro. Il y a énormément de personnes qui sont vraiment pauvres. C'est vrai. Shout out à tout le rap game montréalais. Le rap game, c'est dommage. Tu me restes aussi, c'est dommage. C'est quand même, tu rentres dans un open mic, des créatures, le Man in Black. Ils disent que les humoristes, dans la vraie vie, sont déprimés et sont comme... Tu sais, ils disent ça souvent des humoristes américains, c'est vrai. Genre. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est un thing encore en 2023 mais, aujourd'hui? L'humour au Québec, c'est très comptabilité. Il y a beaucoup comme... on a moins de... Il y a... Surtout que le marché est tellement plus petit, tu dois être quand même relativement straight pour commencer à avoir plus de contrats puis être capable de vivre de ça. Ouais. Versus aux États-Unis, tu peux être un drunk non-stop un nobody. Puis, ouais, puis tourner dans les clubs. Le marché est tellement plus grand que tu peux faire ça. Il y a 350 millions de personnes. Ouais. La clientèle prends 3% en général, t'es chill, bro. C'est quel genre de clientèle? C'est ultra diversifié. Plus hip-hop, plus ça, plus tout. On n'a pas encore du monde hip-hop. Hip-hop, pas vraiment. On n'est pas très. On n'a pas vraiment touché ce brand. C'est d'où la raison pour laquelle on est sur le temps de jeu. Mais attends, vous avez. J'ai fait un show, vous étiez là, j'étais là, il y avait Blink, il y avait... On a fait un show pour Hockey Libre, c'était 98% des ingénieurs. Bon, qu'est-ce que t'es en train de me dire, hip-hop? Non, mais genre, il y avait Blink, il y avait Lebza, Mac Booba... Ah oui, on était dans même... le... Ouais, c'était dans oui, on est dans la vibe, mais comme genre, quand lui... Quand comme quand moi, j'annonce un spectacle, ouais. C'est pas des gars de hip-hop qui achètent mes billets. Ah, okay, non, ça serait malade. Non, c'est ça, mais c'est un public très diversifié, c'est un public très multiethnique. On a des ginettes comme... J'ai fait mon show la semaine passée, puis même toi, à Terrebonne, c'était la même chose. Ouais, exact. Il y avait quelques Arabes, mais il y avait plein de Blancs, puis après, on a fait, j'ai fait mon show à Montréal. Ouais. Quand toi, tu fais tes soirées à Montréal aussi, c'est exact. Ultra diversifié. Le big ça prend la tabarnak, ton shit, là, non? Ouais, ça prend la sralasse. Le big business tour, right? C'est ça big business. Je comprends. Il y a en tour aussi, Jacob. Quand vous faites le show ensemble, vous avez-tu, mettons, c'est 20 minutes, c'est 10 minutes chaque, ou t'en fais 17 et en fais 3? En stand-up, ça dépend. Quand lui fait son heure, j'ouvre pour lui. Soit moi, j'en fais moins, lui en fait plus. Exact. Vice-versa. OK, il y a un show qui va être juste... Oui, il y a une show qui est juste moins 60 minutes. On fait pas de show ensemble. Non, on n'a pas... 60 minutes? 60 minutes, ouais. J'ai l'air d'en faire un 5, t'imagines? 60 minutes, c'est fou quand même. Ouais, mais c'est pas pareil, c'est que t'es habitué, là, c'est à m'amener. Ça fait combien d'années vous faites ça? Quand même un petit bout. Moi, ça vieux, depuis 2006. Ça va faire... À peu près 8 ans, 8-9 ans. Puis c'est quoi les pires shows que vous avez faites? L'Ordia. Arrête. Ouais, ça okay, c'est tout le temps ton peuple. Ouais, c'est le pire show. J'ai fait des libanais. Moi j'ai fait ça des open mic devant zéro personne. J'ai déjà joué sur une scène devant personne. Comme il y a personne dans la salle, il y a deux gars explosés au bord. Puis c'était ton hustle. C'est comme c'est ça notre hustle à nous, c'est comme c'est ton gym. Exact. T'as pas le choix. Puis en 2018, il y a personne, littéralement personne. Mais dans un barmaid. Non mais quand oui, il y a le gars qui passe le balai à la barmaid, puis il y a deux gars explosés au bar, puis il y a tous les humoristes en arrière. Exactement. Il y avait du monde quand j'ai commencé mon set, mais il y avait plus personne au début. Exactement. Il y avait trois personnes qui étaient des underage girls du Kansas. OK. Qui c'était le seul bar qui les ont laissé rentrer boire, puis elles étaient explosées. Puis ça s'appelle Grumpy's, c'est reconnu comme ils sont fiers d'être le pire open mic du Canada. Mais il est vraiment bon comment il est mauvais. C'est que t'as une minute de grâce quand tu commences. Okay. Quand tu performes, là, t'as une minute. Puis si pendant une minute, t'es pas drôle, mais les quatre autres minutes, tout le monde parle. Le staff, les humoristes, le public. S'en foutent, c'est genre. Où ça, c'est symbiose. Centre-ville, dans le sous-sol. OK, ouais, je sais exactement. C'est une symbiose, comment tout le monde fait, OK... En tant que groupe, on décide de ne plus écouter cette personne. Puis même le une minute de grâce, c'est quand il y a quelqu'un pour te donner de la grâce. Okay, parce que d'habitude, il y a genre 4, 3... Quand c'est sold out, il y a comme 11 personnes. Ouais. C'est malade mental. OK, mais quand que le monde commence à parler puis ils s'en foutent de tu votre parles, show... Tu fais tes shit. Tu continues pareil? Tu fais tes shit. T'es juste supposé parler dans un micro. Je suis juste supposé parler dans un micro. Puis au Lordia, c'est ça, c'est un... Moi, Lordia, c'est un de mes premiers shows. On a un ami qui est... C'est Seventh Creation, Edouard. Ben oui, big shout-out à Edouard. Big shout-out à Edouard puis Carla qui sont cette compagnie-là. Ils m'invitent, puis on venait juste de se rencontrer, puis c'était comme il y a 10 ans de ça. Là. Comme, viens faire un show, il y a une levée de fonds, c'est pour la communauté, c'était un show pour l'église. Nice. Et pour les scouts, puis on ramasse de l'argent, c'est au Lordia. Il y a un resto, party... Tu connais Lordia, à Laval? Ouais. C'est sûr que ouais. En face du. À côté des. En face du. Edouard, lui, il a trouvé DS? Plein d'affaires, là, fucked up. À côté des DS. Edouard, il est fucking beast. Oui, à côté des DS. Okay. Il est fucking beast, Edouard. Le OG Adonis, c'était là-bas. Oui, exact. Tu veux nommer tous les autres business qu'il y avait. Il y avait un dépanneur aussi qui faisait des. Comment ça s'appelle? Les falafels. C'est incroyable. Il a gagné. Falafel Freja, juste en arrière, mais c'est pas un dépanneur. Ouais. Okay, mais à côté, il y a le dépanneur. Oui, j'ai mon ami aussi, Charbel, qui habite sur la rue à côté. Charbel, c'est mon gars. Lui, m'avait fait goûter des attards. Les premiers attards. Ben des attards. Oh, vraiment, t'as un beau échelle de cœur. Des attards fromage. Des attards! Moi, j'ai dit attards fromage, bleu fâché. Ah! Bleu fâché, t'es sérieux, moi. Mais tu sais quoi, faut que ça soit naillé. Je voulais pas cuire. Mais toi, t'es un sauvage, là. Moi, c'est viande en viande crue. Que viande crue, c'est un vibe, par contre. Au Lourdes, il y a beaucoup de viande crue.
Ouais. Et, 100%. Tu penses que l'Olympia, c'est le pire? Moi, je pense que c'est le Festival Libanais. Great segue. Ah, Festival Libanais. Festival Libanais, ça, c'était fort. Moi, toutes mes expériences. Hey, les deux festivals libanais qu'on a fait. Oh, my God. Ah, vous avez performé, puis c'était pas. OK, on a fait un festival libanais. On avait tout. C'est le même festival qu'on a fait. Ouais. OK. On avait toutes les prêtres en avant de nous. Nous, ce qui est arrivé, c'est que. Des prêtres sur gage? Non. C'est quoi? Des prêtres. Ah, des prêtres d'église. Oh, c'est eux autres qui font ça. Ok. Oh, qu'ils font deux, deux doigts. Oui, oui, oui. Ok, vas-y, continue, vas-y. Fait que devant les prêtres. Festival Libanais, on arrive, puis ils me bookaient très tôt. Okay. Puis il y avait la deuxième année, je suis comme, c'est impossible, je fais ça tout seul, comme je l'ai fait l'année passée. Puis le Festival Libanais, c'est un terrain de 173 000 pieds carrés. Ouais. Puis c'est sur de la gravelle, du gazon, puis tout le kit. Je dis à Jacob, let's go, comme, viens avec moi. On commençait à chiller ensemble. Ouais. Je débarque, on est à peut-être 5h30, il y a deux personnes. Deux enfants. Ouais. Oh my God. Puis comme les animateurs montent. C'est sur le bord de l'autoroute. Oh, ouais, ouais. T'entends. Puis là, on est comme. C'est le monde s'en vient. C'est ça que t'entends. C'est tout ce que t'entends. On est en train de jouer comme dans. Imagine métro, mais joue devant 8 personnes. Puis ça, c'est comme nos moments Travis Scott de 2013. Il y a la vidéo de Travis Scott qui est en train de rapper dehors, puis il n'y a personne devant lui. Ouais. C'est un peu les moments que j'essaie de cherish, puis que comme je garde en avant de mon cortex frontal. Parce que. C'est des moments qui sont fucking importants. C'est les pires moments qui font en sorte que tu te bâtis. So, les open mic devant deux personnes, les festivals devant deux personnes. Là, je dis, je rentre, personne m'écoute. La musique quasiment joue, je parle. Le prêtre est en train de parler, personne n'écoute le prêtre. Sauf si je vois que le prêtre qui est en train de faire ma première partie n'est pas en train de kill, moi, personne ne va m'écouter. Personne va écouter le si le prêtre n'est pas capable, si lui, dans toute sa bonté, n'est pas capable d'avoir la sympathie des gens, d'arrêter de fucking fumer sur la ligne et frapper sur leur verre, je monte ça. Mais c'était hard, la comédie que vous faisiez là-bas, c'était vraiment comme. Ah, mes parents sont si, je suis libanais. Non, c'était pas nos filters, j'étais cute. Non, nos filters, ouais. Ah, ok. Mais tu peux pas rentrer hard quand le prêtre te regarde dans les yeux, là. Okay, ouais, c'est ça. Tu peux pas faire, ça va le fisting? Ouais. Comment qu'ils vont les membranes ici? J'ai fait un festival libanais où les gens, la majorité des gens, parlaient pas la langue. C'était. Tout le monde parlait l'arabe. Tu te rappelles, il y avait une table dans le festival libanais? Complet. Non, ça c'était un autre festival. Moi, en tout cas, dans ces festivals-là, tu peux me catch pas loin de la bouffe, là, puis tout ça. Oh, la bouffe, je comprends, ouais. Ça, c'est toujours lit. C'est toujours la bouffe. C'est tellement bon, la bouffe. C'est tellement une bonne bouffe. J'aurais bien reçu ce festival. J'aime bien mes coupons. La bouffe est incroyable. Ouais. Les coupons, c'est nice. Quand tu payes pas pour quelque chose, c'est incroyable. Wow. Ça goûte mieux. Il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose d'avoir de la bouffe gratuite. Puis c'est un petit bout de papier que tu lui donnes. C'est juste un petit bout de papier vert, un coupon. Puis elle fait, tiens, puis elle t'arrive avec une assiette. Ça change tout. Ouais. Waouh. Oui. Ça, c'est du tout. La sauce à l'ail. Non, l'humus, c'est bon, mais c'est juste un peu pâteux si t'en mets trop. T'sais. L'autre est plus. Malgré que des fois, ça fait des crises d'estomac, tu sais, mais bon. OK, ouais. 60 minutes de shout-out. Ouais. Ça? Yes. C'est quoi ça? Ça, c'est quelque chose qu'on fait sur le temps. 60 secondes. C'est 60 secondes. Quelque chose qu'on fait ici au podcast. On dit aux guests de toujours donner des shout-outs. Nous, on aime donner du love, lancer des fleurs aux gens. Vous savez déjà. J'adore ça. C'est votre chance. C'est le moment. Vous êtes deux. On peut peut-être le stretch un peu plus qu'une minute, mais ça commence live. Yo, shout-out à ma mère. Gros shout-out à ma mère. J'espère qu'elle n'écoute pas l'épisode parce que j'ai jamais fumé du weed de ma vie. Maman, tu sais même pas ce qu'est YouTube, fait que c'est correct, tu vas pas le voir. Yo, gros shout-out à. Yo, gros shout-out à Harout! Tachidjian! Gros shout-out à. Padrika! Padrika! Gros shout-out à. Yo, gros shout-out à tout le monde qui nous suit sur Patreon.com. Yo, gros shout-out à 7, 12, 20 dollars par mois. Les Guilt, les Rapid Fire, les Funky et les Gucci. Vous êtes les producteurs de notre spectacle. Vous êtes les producteurs de nos podcasts. Vous faites en sorte qu'on est ici maintenant puis qu'on est capable de se payer un loyer. On a un putain de studio. Ça a commencé dans sa putain de cuisine. Ça a commencé. Puis grâce à. Kiruaka! Kiruaka! Qui mettait des commentaires. Jean Robin, Flavie the Warrior, XK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 X
Ça, c'est vrai. Ça, okay, c'est vrai. Merci, man. Fait que pour les gens qui savent pas, c'est lui, le Ghost Rider. Ouais. C'est lui qui écrit tout. C'est Jacob Ospian qui a écrit tous ses textes. Yo. Il parlait pas de... Il parle de... Ouais, je sais. Ouais. Quand il fait ça, ça, c'est la chose, ça, c'est... Ta femme doit être contente. Oui. Yes. I'm going down, down. DJ. Scratch la clito. Maintenant, on a du fun. Hein? C'est tous les côtés russes des filles. Hein? Le clitoris, bien sûr. Tout le monde a un petit côté. Il me fait penser un peu à Michel Grenier. Oui, oui. C'est Michel Grenier. Ils ont le même bien. Ouais, ils ont le même. Mais la même présence scénique. C'est le gérant de Mike Ward. Ouais, ah ouais. Ça fait beaucoup penser. C'est quoi? Je sais que c'est son gérant. Hey, Michel, peux-tu répondre à nos emails, man? Big shout out à toi en passant. Michel, numéro, s'il te plaît. On est là. Écoute, ça serait bon pour Mike Ward d'avoir du monde hip-hop un peu à ses écoutes. Ouais, puis on aimerait recevoir Mike Ward ici. Mike, c'est bon. Ah, Mike, ça serait malade de prendre des jujubes. Oui, oh, Mike, ça serait chill ici, ouais, non? Ouais, ouais. Puis on n'est pas obligé de faire des jujubes, on a tout du smack, des élastiques. Si, ouais, ben, non, mais sure. Des élastiques pour faire. Avez-vous déjà fait du smack? C'est quoi ça, du smack? Non. Ah, smack. Comment? Smack, vous êtes des gars de smack? Non, non, non. C'est quoi du smack? Non, moi, je suis plus un gars. Imaginez, j'annonce à Jake que j'ai déjà pris du crack maintenant. Je suis sur l'héroïne maintenant, c'est pour ça que je ne vais pas prendre de jujubes. C'est pour ça qu'il y a. Non, moi, j'aime plus l'opium, c'est plus pur. C'est plus pur, ouais. C'est pas tout le monde qui fait de l'opium. Ça, c'est qu'est-ce qu'il voulait pogner en Afghanistan, là? C'est qu'est-ce qu'il y en a. Ouais, ouais, exact. Tu sais, comme là, on fait des jokes, on va un peu left avec les jokes, tout ça. Y a-tu des limites pour vous? Parce que je checkais un skit, Jacob, t'as posté une affaire, genre, pis t'es comme, mon bébé de 9 mois est en santé, mais comme, non, je veux qu'elle mange, tu sais, je veux qu'elle soit. Ah ouais, je veux qu'elle soit une grosse crise de vache. Oh, ouais, there you go. Fait que, tu sais, est-ce que, genre, je sais pas, moi, ta femme est comme, yo, calme-toi, ou genre, c'est anything goes, y a pas de stress quand c'est l'humour? Mais je pense que ma blonde, elle sait que j'ai réfléchi vraiment. Là. Comme cette vidéo-là, je pense que ça m'a pris une semaine de le faire. OK, ouais. Ouais, parce que j'ai pensé, j'étais comme genre, OK, faire que je la traite de grosse vache, moi. C'est comme, ouais, mais il n'y a pas de photo de ma fille. Genre, j'ai comme. Non. Personne l'a comme. C'est quelque chose qui. On ne sait même pas si c'est vrai. Ouais. On ne sait même pas si j'ai vraiment un enfant. OK. Fait que genre, OK, j'y vais vraiment. Ma blonde le voit, elle part à rire. Mais des fois, il y a des shit que je dis à ma blonde comme. Yo, tu vois, comme cette bite-là, comme, tu penses-tu que c'est trop? Elle fait comme, ah, tu sais, comme, ouais, je pense qu'il y a des choses que je changerais. Fait que j'essaie de le modifier. Hein? Une bite de hache? Une bite de hache, ouais. Ah, elle fume? Oui. Elle fume du smack. Hey, là, vous me parlez. Avec ses hops. Elle fume ses hops. Elle est chill. Quand elle fait smack. Elle fume ses smack puis elle chill avec ses hops. What? There you go. Ah, yo, c'est un OG certifié, man, Jacob. Yo. Nous éprouvons des difficultés techniques. C'est quoi t'as fait encore, là? Elle replace les boutons. Fight Major OG, waste. There you go. Ça, je vais regarder ça pour le Patreon, c'est hardcore. Mais tu sais quoi, j'ai vu comment ça va. Vas-y, let's go. Vas-y. Ton histoire. Elle est partie comme ça. Il y en a en plein. OK, check ça. Ça, c'est ça s'appelle qui entre vous deux? C'est simple. Okay. Qui entre vous deux est le plus hygiénique? Moi. Attends, il faut que je prenne ma douche. Là, encore, là, ça fait deux. Non, pas de douche. Moi, on parle de comme. T'es quand même on est sale. Non, pas... non, ferme ta fucking gueule. Ferme ta gueule. Non. À Jonquière, tu t'étais fier parce que t'avais dormi avec tes jeans. Ouais, parce que je voulais pas de bed bugs. C'est non, mais t'as dormi avec tes. Mais quand même, tu m'as envoyé des photos de genre comme yo, check comment ça c'est drôle, le gars je est Je fais pas ça chez nous. Ah, oui. Mais ça c'est pauvre, c'est pas être sale. Qui je pense qui lave plus ses mains, qui met du déodorant. Mais c'est vrai ça, que. Ça, ça veut dire que vous avez des invités sales, là. Si ça c'est une question qui sort. Parce qu'on peut aller loin, là. 100%. Vous avez des... okay. 100%. Si je vous dis qui est le plus party animal entre vous deux. Attends un peu, on va rectifier le tir. Jacob est plus party animal. Ouais, moi, je bois pour cacher des blessures. Exactement. C'est tout dépendamment de la saison. Moi, de mai à août, je suis plus party que lui. Lui, de novembre à février, party guy. Okay. Pourquoi l'hiver? Parce que tu bois en tabarnak. Oui, mais c'est que Jacob a plus l'énergie du party. Oui. Puis il est plus comme let's go. Moi, je suis plus un monsieur vieux. Là. Ouais. Mais boire quand même... en quantité, je pense que... Mais il peut être party comme tu peux. Mais c'est parce que c'est différent. C'est... OK, c'est quoi pour vous un party? Okay, c'est une question bien simple en passant. <là. rire> Les gars sont en train de break down la science. Club, mais moi, je suis DJ d'un club. OK, club. Je barbecue avec des bons amis, okay. Du bon monde, de la bonne alcool. Ça, c'est party. Bon. Tu peux ça, fermer, tu peux fermer un barbecue comme moi. T'as-tu déjà oublié la soirée tellement que t'étais chaud? C'est... Tu te réveilles la main. Mais jamais! Il te manque plein de bouts, là. Il me manque, ça fait très longtemps. Mais jamais! Mais Miami, ouais, c'était. Miami, c'était. Tu as un appel de Pierre? C'était cool hier. Non, pas à ce point-là. Non. Lui, c'est mais jamais! À Miami. Tu t'es réveillé le matin, t'étais rendu avec des petits courriers, tu comprends? Non, c'est jamais arrivé. Parce que je viens trop vite, c'est pas. Qui entre vous deux est le plus drôle? Oh!
J'imagine si tu fais plus de... C'est quoi pour toi drôle? Ouais, c'est ça. Ah, les gars, comment? La science de drôle, c'est ça vient de où? C'est que moi, je vais pas te dire que c'est moi, non. Non, c'est ça. Il y a pas de... Puis même, si... je pense pas que tu vas... En général, pas le plus comique qui en sort pas mal plus que l'autre, je sais pas. C'est qu'entre nous, ouais. Oublie en show d'abord. Juste dans mais c'est assez weird, parce qu'entre nous, moi, je sens qu'Aimé est le plus drôle. Ouais. Mais c'est entre nous. Ouais. Comme il est. Il est... Je suis, non, ce qu'il veut dire, c'est que je suis juste plus blessant. Puis ça le fait rire qu'il est blessé. Exact, c'est juste ça. Ouais. Mais okay. J'ai le roast plus facile, mais Jacob oui. Est plus. Va en sortir plus. OK. Okay. Puis il va être plus en ouais, temps plus con, ouais. Qui entre vous deux qui pète des coches le plus, qui s'énerve le plus rapidement? Moi, c'est quand toi, même. C'est toi, mais c'est je pète pas. Il n'y en a pas beaucoup de pétage c'est de coches. C'est toi, tu ne m'as pas connu avant. Avant, je pétais plus de coches que lui. Mais maintenant que genre je vais voir un psychologue puis que genre je fais du yoga puis je fais de la méditation, okay. Je suis plus calme. Okay. Puis je fais du Muay Thai tandis que maintenant c'est lui qui des fois fait comme juste un peu comme pourquoi ça c'est comme ça. Oui. Ouais ouais. Puis pas dirigé à lui juste en général comme comment se building à ouais. Ça puis je me fâche. Mais t'es pas un gars violent, non, t'es non, pas violent. Okay. Qui entre vous deux est le plus sexuel? Oh. Lui. On l'entend juste dans les sound effects. Ah! Attends un peu, plus sexuel ouais, dans quel niveau? Parce que quand on l'avait parce dit. Parce que lui, est quand même sale. Je suis quand même un animal. Là. C'est quand même un sale. Ouais, ouais, ouais. Quand on parle d'animal, mettons juste une petite idée. Genre. Boire l'eau du bain de ma femme après elle. Oh, fuck, ok. Ok. DJ Crowd style. Même lui, il a son nez, il a fait comme ça. Non, mais animal, genre. Il a fait, on il a aime, fait on aime les orteils. Oui, on aime les orteils. Le, oui. Le backdoor, on dit on bonjour. Bouge les culs. Ah, ok. Ouais. Ouais. C'est pas juste un exit pour toi, le backdoor. C'est... Non, 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 non. Ça n'a pas encore été une entrée, ça a plus été comme j'essaie de rentrer dans le club. Mais toi, tu fais des shit comme si c'est la porte. Tu chiller devant, genre. Tu ouais, tu donnes un petit peu d'attention. Comment t'essayes de rentrer. Pas rentrer. Tranquillement, tu dis bonjour. Ouais. Ça s'en vient. OK. Ouais. C'est la porte d'un garage. Ouais. OK. Qui entre vous deux est le plus matérialiste? Moi, j'achète beaucoup de trucs, mais lui aime l'argent. C'est le meilleur breakdown. Je l'ai jamais entendu dire quelque chose d'aussi précis et efficace. Okay. C'est tellement vrai. Non, mais attends, tu comprends pas. En passant, y a moi, pas je m'achète quelque chose, puis j'embrasse la chose. Lui, il compte son argent, puis il aime ça payer des affaires, puis faire non, 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 arrête, je paye. Puis au début de la pandémie, c'était ton téléphone. Mais là, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Étrangement, de depuis que la pandémie est finie, t'es comme. Puis ils sont des liasses d'argent. Ouais. Ok, ça va venir à la prochaine. Qui entre vous deux a le plus d'argent? J'imagine que c'est lui, c'est toi qui respectes. C'est que lui a deux enfants. Mais le condo? Tu veux ok, lui, il peut parler en assez. Non, mais si on parle. Non, 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 mais comment si. Ok, mais attends. Si on vend le condo. Oui. Si moi je vends le condo, j'ai. Est-ce qu'on inclut nos femmes? Est-ce qu'on peut biper le prix? Non, mais je dis-le pas, mais ok, tu vends à X, ouais. Non, mais si je. Est-ce que tu sais c'est quoi que je peux avoir comme question? Oui, c'est ça. Est-ce que t'as ça? Avec le condo, puis avec mes économies, mes actions et mes investissements, plus. Oui. OK. Ouais. OK, parfait. Fait que peut-être égal. Fait que... Égal. OK, ouais, égal. On va dire égal. OK. Là, on pense que ça s'en vient trop vite. Ouais, c'est ça, là. Avec mes REER, puis j'ai parlé à ma conseillère financière. Attends, si le marché continue de débrouiller... Moi, la prochaine, je suis des pénis. J'ai pas plus de cash que t'as compris. Je voulais pas commencer de beef entre les gars, là. Mettez-les sur la table, là. C'est qui qui a plus gros? Lui, je pense qu'ils sont pénis. Coupable, ouais, mais peut-être à plus petit aussi. Lui a des couilles de bœuf. Coupable ou non coupable. Succionné okay. Là-dedans. Le jeu est simple, c'est coupable ou non coupable. On vous pose une question. Ouais. Sinon, tu coupable ou non coupable. Okay. Ou sinon, tu prends ça. Okay. 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 Est-ce qu'on peut dire je suis une victime? C'est quoi ça? Ouais, oh, excuse-moi. Bye bye. Bye bye. C'est du rhum Rosemont. Il en a 5, un rhum local. Excuse, j'ai perdu ton téléphone. Fuck up mon stand, là, mais c'est correct. C'était low-key, c'était set-up. Coupable ou non coupable, j'ai déjà fini la peigne de lait et je l'ai remis dans le frigidaire. Oui, oui, oui. Non coupable. Non coupable. Chez mes parents, mais pas chez nous. Chez un fils de bébé. Chez ma mère. Coupable ou non coupable, j'ai déjà smash la femme de quelqu'un que je connais. Ah, fuck, coupable. Coupable. Ouch. Okay. Oh non, excuse-moi. Okay. Comme il l'a trompé avec moi ou c'est qu'après qu'ils se sont laissés? Non, non, la non. Femme écoute, de quelqu'un non, que tu non, connais. Non, 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 non coupable. Non coupable. Mentiroso. Non, non coupable. Ça va aller aussi, Miguel? Mentiroso. Ça veut dire menteur, ça? Ouais. Ok, c'est pas pire, espagnol. Ouais, t'es rendu espagnol, ouais. Coupable, non coupable, j'ai déjà copié la joke d'un autre humoriste. Coupable. Ah, ouais! Tu l'as répondu tellement rapidement. Je pense non coupable. Toi, non coupable. Yo, mais c'est pas une grosse, c'est pas un gros non-non, ça, genre? Mais il a sûrement pas fait par exprès. Non, non, j'ai pas. Oui, oui, ça m'est. Mais t'étais là, c'est toi qui me l'as dit, t'as fait ah « oui. Hey bro, ça va? » Puis j'ai fait « Oh fuck! » Ça, c'est plus des trucs de pas. Comme... Ça, c'est quand t'as fait du crowd work. Ouais. Là, quelqu'un te fait quelque chose, puis tu fais quelque chose qui est une prémisse ah, très de base. Okay, 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 pas de comme il a copié un beat qui a pris sur ça. Non. Je l'ai pas filmé, puis j'ai pas fait de l'argent avec. Non, non, non. Pas mais c'est comme il a improvisé, puis il a oublié que c'était pas la sienne. Pas encore. OK, OK. Coupable ou non coupable, j'ai déjà
puncher un de mes amis dans la face. Non, coupable. Définis c'est quoi un ami. Non, c'est pas vrai, non coupable. coupable, non coupable, j'ai déjà fait l'amour anal sans condom. J'ai pas encore fait de l'anal. Okay. Non coupable. Ok, c'est un joke. Ah oui, t'es un humoriste. Coupable ou non coupable, j'ai déjà changé mon set d'humour. À cause que le gars avant moi, il y a tellement d'aide que j'étais comme, yo, faut que je... 100 000% coupable. Les yeux fermés. Ah, je le fais encore tous les jours, man. Ah, il y a même pas de show, je le fais. Si je change. Ah, ouais. Non, mais oui, quand tu vois quand on demande au rapper, t'as déjà changé ton verse quand t'as entendu ton feature. Mais non. Non, t'es fou. Yo, t'es un gars est sur scène en train de parler de weed, de baiser, de tout ça, puis ça fucking point. Ouais. Toi, ta responsabilité en tant qu'humoriste, c'est au moins avoir une blague prête sur quelque chose qu'il a dit. OK. Le gars, il parle de weed, il parle de fucking sexe, puis toi, t'arrives sur scène, t'es comme, moi, mes parents m'en ont rien claqué. Ouais. Fait que toi, t'arrives, t'es comme, yo, ça va le fisting. OK. Fait qu'il y a beaucoup de freestyle qui se passe. Soit freestyle, soit tu me fais des blagues que t'allais pas faire, puis c'est la responsabilité. Un bon humoriste fait ça, un mauvais humoriste monte sur scène, puis comme, yo, moi, je suis. Moi, j'ai mon set. Ça, c'est mon set, je ne change pas. Mais okay. À part quand t'as... Parce que ça arrive aussi dans des soirées, tu es en train de travailler. Tu arrives dans des soirées, tu es comme, regarde, j'ai vraiment envie de comme, genre, que vous ayez du fun, mais il faut vraiment que j'apprenne ça mot pour mot parce que j'ai fait un taping sur Amazon. Non, mais c'est comme. Yeah. Même moi, là, ça m'est arrivé, je vais faire une ITV. Fuck. Personne ne connaît. Tabarnak. Je suis quand même bien payé. Félicitations. Puis je fais. Congrats. C'est le fun. Puis ça arrive que des fois, je fais comme, OK, je vais roder avant, puis je vais faire comme. Vous l'avez même déjà écouté, ces blagues-là, il faut que je les travaille. OK. Coupable ou non coupable? Pourquoi je me flagelle? Je comprends pas pourquoi je me flagelle. Je dis, ça va être bon. Mais juste deux secondes, pourquoi je me fais mal? Je suis en train de te flageller sur moi. Juste ouais, c'est vrai, c'est vraiment weird, ça me fait rire. En tout cas, continue. J'ai des bulles de même. Je m'excuse. C'est que j'ai des bulles, en tout cas. OK, vas-y. De ça? Non, mais c'est pas. Non, c'est juste que je suis. OK, non. Ils sont bons, les jujubes. OK, c'est bon, je m'excuse. Comprends-tu? OK, mais c'est good. Ah oui. Lui, sa gorge est rendue moite. Tu l'entends par sa voix. Quand t'entends la palm mouth sortir de, en arrière la tête. On fait une petite tour. Le edible hit. Hey Jay, je pense que c'est ben trop fucké pour YouTube, ça. Si tabarnak vont capoter ben raide, attache ta tuque avec la broche. Si tu faut enlever ça, ben raide, faut couper ça. On va se faire bannir. Je t'ai dit, t'as pas d'allure. C'est une joke, hein, je vous ai eu. Hein. Coupable ou non coupable, j'ai déjà sorti dans un club, j'ai laissé mon manteau dans l'auto pour pas payer le vestiaire. Coupable. Coupable, oui. Je suis arrivé hier. Moi, je regarde déjà avec les manteaux, puis je suis comme, t'es sérieux? Pas répondre. Pendant la crise du verglas, j'étais dehors comme mon imbécile. Tu vas payer 11$ pour quelqu'un, fait, hey, coupable! Non, comment, mets ça dans ton manteau comme tous les autres fucking pauvres. OK, OK. Coupable ou non coupable, j'ai déjà volé dans un dépanneur. Coupable. Oh, coupable. Coupable ou non coupable, j'ai déjà face fuck quelqu'un. Non coupable. C'est quoi? Non, face non fuck, coupable. C'est comme pas de la face. C'est que j'aurais peur de. J'aurais peur, qu'il y ait une petite molaire, la juste... C3 puis la D6. J'aurais peur qu'elle déchique mon. Ouais, je comprends. Moi, j'ai peur qu'une amygdale descend oui. Et elle reste là. Puis la personne parle comme ça! Okay, mais là, si elle te regarde puis elle dit, mets-moi ça dans l'œsophage. Je vais faire, on va passer au suivant. Merci, c'était très. Okay. Mais c'est parce que. Mais... Si elle parle comme ça, je vais la mettre dans sa trachée pendant sa gorge. Par le trou. Ah oui, toi, tu vas, comme pas grave. Les gars, c'est rendu. Toi, tu vas faire. Coupable, il utilise comme un de ses boutons. Chaque fois qu'il fait ça, toi, tu. Il est tellement buzzé, il pèse pas le bouton comme. Hey, do it! Coupable ou non coupable, j'ai déjà dit aux gens que j'étais 100% québécois pour pas me faire skip ou manquer une opportunité. Jamais. Non. Coupable. Mais oui. Ah ouais? Mais oui, en troisième année. Ah, OK. Okay. Je suis allé jouer au ballon chasseur. J'ai dit que j'étais québécois. Mais... Ah, OK. Ouais. T'allais à Saint-Marc, il y avait zéro québécois. Non, en troisième année. En troisième année, primaire. Excuse-moi. Ouais, j'étais entouré de secondaire. Québécois. Là. Puis je trouvais ça, c'est ça. J'étais comme, genre, j'étais entouré de Québécois. Fait quand le monde me. Puis il y avait comme une couple d'immigrants, j'étais comme, ouais. J'étais un de vous autres. Ouais. Mais on peut juste parler. T'as déjà fait ça? Non. Coupable ou non coupable, j'ai déjà uriné dans une piscine publique. Ben, oh, 100%. C'est ça, faire ça quand même. Oui, c'est quand même ça. Moi, j'ai déjà uriné debout dans la piscine. Dans une piscine publique. Chier, non. Chier, non. Okay. J'ai déjà vu quelqu'un chier à la plage, par contre, puis je sais pas si tu savais, mais quand quelqu'un chie sur l'eau dans la plage, la merde flotte. Ouais, oui. Oh, my God. Non, moi, je l'ai fait une fois, mais c'était du flux, fait que ça n'a pas flotté. Non, mais Philippe, c'était dans un jacuzzi. Tu t'es chié dessus dans un jacuzzi? J'espère que t'es pas en train de niaiser. Tu t'es vraiment chié dessus. J'étais complètement sous, puis il y avait du monde dans le jacuzzi. C'était un jacuzzi comme à 8 personnes. Il y avait du monde dedans? Ouais. Non, attends. Attends. Il y a un gars dans le club qui jouait à ça la veille.
J'ai dit, sais-tu quoi, il est là, puis encore, il y a, tu sais, quelqu'un qui regarde tout le temps le monde. Quoi, il y avait de la marge jusqu'ici, tu vois? J'ai dit, sais-tu quoi? Je vais péter, au moins, ça va sentir mauvais, quelque chose. Je vais faire une joke, je pète à côté de lui. Mais je voulais pas chier dessus à base. Mais j'ai pété. C'était un pet de sauce, finalement, tu comprends? Hey, ça a commencé tout de suite à rentrer partout, puis tout ça. Mais qu'est-ce qui était fucked up, c'est qu'il y avait une fille, man, qui était attends, avec. Attends, vous êtes tous en train de ouais, chiller. Ouais, on est 6-7, la fille était avec. Quand dans le jacuzzi? Au... Ouais, ouais. Quand elle est arrivée au club le soir, la fille, je te le jure, là, c'est comme si elle avait pris un teint. C'est comme si elle avait bronzé. Arrête! C'est nice, ça. C'est ça, man. Ouch. Toi, t'as chié, puis c'est comme le BP oil spill là, qui a tué toutes les maringouins, puis les mouettes, ça a juste ouais, commencé. C'est un pet sauce du buffet. Puis ça beaucoup, tu vois, ça n'a pas le temps de durcir. Puis à un moment donné, il y a un muscle dans ton anus, il décide de te lâcher. Ouais. Il y a un muscle, qui fait comme « Hey, we're going in! » Puis il fait juste... Pour vrai, ça. J'étais sûr que c'était un pet. Wow, c'est pet, mais t'entends juste « Rah! » Rah! Ouais. C'est bro, littéralement, designer s'est inspiré de attends, ça. Rah! C'est vraiment, on peut pas, c'est beau, on peut pas sortir de ça. Tu t'es chié dessus. C'est quoi le délai de réaction des gens avec comment toi dans su? Le jacuzzi pour... Comment tu t'es senti bien? Ben, l'autre, comme je t'ai dit, c'est un fraîchier. Fait qu'il parlait tellement le menton okay. Haut qu'il checkait pas vraiment dans l'eau. Il était comme... Mais il doit avoir une odeur, c'est du buffet. Ah ouais, ça a pas été long. Là. C'était une affaire de 20 secondes. Mais là. Genre, toi, quand t'as... Parce que regarde, il y a eu une fraction de seconde, OK? Ouais. Que quand ton trou de cul a Kalachnikov le non, jacuzzi... Ouais. Toi, t'as eu un bien-être. Mais il y a eu une fraction de seconde, t'as fait ce bien-être vient de quelque part. Non, même pas. Moi, je suis arrivé comme un acteur, mon gars. Waouh! Yo, c'est fait! Yo! 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 Oh, ah, vous êtes dégueulasse! Non! Je suis sorti! Yo, la merde est juste au-dessus de votre bio, c'est qui a joué? Non, mais le pire, c'est jamais un speedo, fait que c'est resté quand même dedans. Ça a pas sorti en entier. Hey, venez me voir au Théâtre Saint-Denis en supplémentaire, mon premier show d'humour avec ce gars-là. Yo! Tout le monde va faire ça. C'est chiant, mais! Moi, je suis désolé, je suis dans le jacuzzi. Il y avait un autre, c'était un stoner. J'ai pas trouvé de buzz la semaine, il y avait un brownies, il était de même dans l'eau. Bro, je te le jure, je me chie dessus dans le jacuzzi, je suis le premier qui le dit. Je fais comme, hey, I'm proud, but did it. Hey, bro, qu'est-ce que tu fais si tu te chies dessus? Ben, je marche droit dans l'autoroute puis je meurs. Comment tu veux regarder des gens dans les yeux après? J'ai tellement flippé l'histoire sur d'autres mondes que la fille pensait que c'était le gars. Le gars qui était le même. Fraîchier, parce que... genre. Ah ouais, yo, c'est le gars qui était le même parce que quand il s'est chié dessus. C'est pas un petit jacuzzi, là. Okay, tu faisais sur le bouton puis c'était comme. Il y avait la marque. It literally became a shit show. Wow, nice. Oh yo, c'est la meilleure histoire que j'ai entendue toute ma vie. Elle était comique, man. On a eu du fun. Le gars, il a dit, c'est ce gars-là, il est full of shit. That's right. Quand même. OK. Coupable ou non coupable, guys? J'ai déjà baisé une femme ou j'ai déjà fréquenté une femme avec qui je veux jamais être vu en public. Non coupable. Non. Non? Non. Ça même. Non. Non. On arrive. OK. Non, je suis cadet toutes les filles que... Non, tous les filles que j'ai baisées jusqu'à date. Ouais. Tu respectes mais, le choix. No ça, shame mais, in the game. Mais, non, il n'y a pas eu de shame pour l'instant. Non, il n'y a pas eu de shame, mais genre, comme, est-ce qu'elle a changé? Genre, comme... Non, non, juste en général, il y a du monde des fois que. You know. Keep it on the low. Keep it on the low. Non, okay. J'espère que j'ai pas. Imagine, il y a quelqu'un d'autre qui vient sur le podcast. Puis c'est une... puis elle m'a insulté, puis elle est comme, yo, t'es sérieux, mais. Coupable ou non coupable, j'ai déjà pawné un objet au pawn shop. Qu'est-ce que ça veut dire, pawné? Non. C'est tout. Quand tu as la misère arrivée dans la fin de ta semaine, tu vas porter ta tu chaîne. Tu vas je t'emmener ta chaîne, tu vends ta chaîne. Non, moi, je suis le gars qui check les affaires, je dis, je peux pas me payer ça. Coupable ou non coupable, j'ai déjà voulu être un chanteur 100 000 ou un rappeur. Ou... Ouais, moi. C'est chanteur plus. Comme c'est nouveau ou c'est... Non, c'est depuis que j'ai vu A Star Is Born. Ah, moi, c'est... Ah, ouais. Bradley Cooper dans ça, c'est mon idole. Là. Ça, ouais. C'est le processus que je veux être défoncé, monter sur une scène, Jackson chanter Maine. Comme... Black lives open wide. Puis là, tu... C'est là, tu vois... In the chaleur. Ah, ouais. In the chaleur. Ah non, il est fort. So, là, tu rentres, puis là, tu te pends, puis c'est pas mal la vie... Total que moi, genre, tu vois, j'ai su que je voulais faire du country quand j'écoutais... Mais pas du country, mais genre comme dans ce style-là, quand j'écoutais du Creed. Oh, Creed. Comme miles away. Yeah. We're turning away. Je suis dans mon dos, puis je suis comme... Tu sais, cette petite affaire-là. Ah, hein, oui. Je m'en prenais pour Eric Lapointe avec les verses de Seth. Est-ce que t'es belle? Je m'ennuie de ta face. Ah, ouais. On s'aimera longtemps. Est-ce que
c'était vraiment, il était malade, Eric. Les enfants, hein? Est-ce que Eric, c'était vraiment un icône pour les gens moi, de ta génération? DJ pour lui. J'étais DJ pour lui, on a fait la disque ensemble. Là, bro, t'habites ici aussi, là. Non, ouais, de mais génération. Pour les gens de ta génération. Ouais, mais je me dis comme les jeunes Québécois, les Québécois italiens, là. Je sais pas où ça grandit, mais. Je travaillais avec Eric, mais j'étais pas un gars qui écoutait du. Ah, ok, c'est ça. Mais question pour toi, ça, c'est. T'es DJ. Ouais. Eric. C'est juste comme qu'est-ce que c'est parce qu'on a fait loader non. comme un gun loader comme un gun avec un track de rap puis ils ont voulu qu'on fasse ouais sans pression on l'a fait à la disque loader comme un gun il y a un remix ouais on a fait loader comme un gun remix c'est Nasty Beat ça par contre loader comme un gun il y a un 16 bar de rap dedans fucking on l'a fait à la disque c'était différent tu sais. Le rap dans ce temps-là, là, il commençait vraiment à rentrer dans les TV tout parce que pendant longtemps, on a été boycott. Là, mais... Ouais, ouais, ouais. Fait que je me suis ramassé à scratcher ça. Puis à la fin, bon Jack et Noé. Mais moi, je le connaissais d'ailleurs aussi. On a acheté nos chaînes au même bijoutier. Chante à Diplomate sur Mont Royal. OK. Tu es à la même plaque qu'Éric Lapointe. Ouais, ça, c'est... On a des concours de poids. Je sais pas okay. si c'est un props ou ça. Non, mais... non, c'est quand même un props. OK. T'sais. Mais quand même, mais comme tu vois, moi, j'ai du monde de ma génération qui sont vendus, Éric Lapointe. Comme, ah ouais? Ils ont le drapeau, si, ils ont pas un drapeau, une banderole dans leur chambre. C'est comme, ils écoutent, ils n'ont pas manqué un concert. Ah, c'est un OG, là. C'est il a laissé sa marque, c'est mais sûr. Mais pour là. Nous, c'est en tout cas, pour moi, j'ai ma mère, elle n'écoutait pas ça, là. Ta mère parlait à peine français. C'est quoi son nom à l'autre? Ferris Karam. Ferris Karam, ben oui. Classique. OK, coupable ou non coupable? J'ai déjà fait des trips à 3, 4 ou même 5. Non coupable, non coupable. Coupable? Je veux être coupable très bientôt, ouais. Please. Okay. Coupable, please. Please, Lord, coupable, if you hear coupable, me. Est-ce que si c'est sur Zoom, c'est coupable? Non, sur Zoom, ça coupable ou non coupable, j'ai déjà fait un trou dans un condom pour avoir un enfant avec une femme. Qui... Ouch! Sans qu'elle sache. Non coupable. C'est pas le... J'aurais juste pas mis un condom, tant qu'à être, non? Non, mais c'est ça que tu m'as dit tantôt. Ok, ça, c'était pas, ça c'était pas, c'était pas supposé être ici. Okay, check-moi Leonardo DiCaprio puis Johnny Depp, les acteurs. Yeah, incroyables. Oscar, mon Gémeaux aussi. Check-nous sur Patreon. Ok, coupable ou non coupable, j'ai déjà regretté être une personnalité publique. Mais c'est parce que qu'est-ce que tu définis une personnalité publique? Ben là, c'est quoi pour toi? Tu vas adonner, tu vas adonner. Ça m'est pas encore arrivé. Ben Jacob, j'ai écouté ton podcast. Yo, je t'ai vu à ce show-là. C'est, non, pour l'instant, non. Pas sur, ben, comme genre sur le coup, non? Des moi, fois, c'est beaucoup de tes amis qui me reconnaissent au Costco. C'est pas mal ça qui arrive, c'est plus. Que... Mais c'est ça, mais moi, il y a des gens qui me reconnaissent, mais comme c'est comme genre, ça va arriver comme. Mais c'est plus réarrivé, mais avant. Comme il y a des gens qui me reconnaissent, là, je suis genre. Je me mets à fumer un joint, je commence à chiller, puis à m'amener dans ma tête, je fais comme yo, quand même, je suis fucking big. Il y a des gens qui me reconnaissent, mais. Ça prend. Le lendemain, je suis comme, je suis une merde, je sers à rien. Oui, okay. Exact. Ouais. C'est ça. Il n'y a rien qui est arrivé pour l'instant qui a fait en sorte que c'est détrimental. Ou que ce soit permanent. Okay. On dirait que c'est comme lourd. Coupable ou non coupable, j'ai déjà couché avec une fille qui n'était pas ma femme sans condom. Non coupable? Non coupable. Oh, c'est ça. Je comprends pas le sens. Vous regardez, non? Ben, non. Tu as couché avec une fille, puis c'est pas ta femme, une fille. Est-ce que j'ai trompé ma femme? Non, pas trompé. Oh, j'ai couché dans avec une fille. Vie, t'as couché avec une femme. Lui, comme, pas ta femme sans condom. Lui, il est comme couché avec une autre femme. Puis t'as une blonde, c'est pas trompé. Non, non, non. Parce que c'est une autre femme. Non coupable. Moi, j'ai coupable auparavant. Coupable ou non coupable? Mais c'est ça, c'est exactement ça. Non coupable. Coupable ou non coupable, j'ai déjà voulu être en couple avec une fille qui s'en calissait de moi. Coupable. Coupable, coupable. Moi, ça a été un coupable de friendzone. Puis qu'après, j'ai eu une opportunité, puis c'est moi qui avais passé à autre chose. Puis ça a été le meilleur cadeau. Oh, tu as donné. Ouais. Tu l'as hit back avec le. Ultra friendzone. Ça m'est arrivé une fois, j'avais, je pense, 17-18. Okay. Ultra friendzone. Comme le genre de... J'ai drunk text une fois dans toute ma vie, puis c'était cette fille-là. Pour y dire, yo, tu as tout dit, genre. Je tout, puis comme c'était entre 73 consonnes, c'est comme, I love you, oh, ouais. Wow. I'll be more than friends, tout ça. Elle s'est réveillée, elle a bien géré ça, elle a mis des sourires comme je t'aime aussi, mais comme elle voulait pas dire comme amie, puis tu sais, elle a joué ça un peu. Puis c'est cette journée-là, je me suis réveillé, je suis comme, oh, what the fuck, ok, wow, non, t'es comme, shit, halak, genre, prends-toi en main. C'est vraiment, ouais. C'était fini. Ça sentait le Samac. Ouais, c'est exact. Samac, c'est poisson. Coupable, j'ai déjà pensé que j'étais plus drôle que Mike Ward. Mais moi, je vois pas. Okay, c'est un sourire. C'est-tu élément, quoi? C'est, je trouve pas c'est blanc ou noir. C'est que c'est ça, non, ouais. C'est pas grave. Je veux juste une réponse. Je veux pas de calcul. Mais c'est parce que peut-être à la joke. Mais c'est parce qu'on n'a pas le même humour. C'est ça, c'est. C'est pas. Peux... Non, les gars sont media trained. Ouais, non, on peut pas les truquer. C'est pas media trained. En passant, notre media training, c'est qu'on a littéralement déjà tout dit. Il n'y a rien. Comme... Vous voulez nos cadeaux? Okay, on a 200 épisodes. Vous n'êtes pas capable de répondre coupable ou non coupable? J'ai déjà pas brossé mes dents pendant 3 jours. Coupable. 3 jours, non, coupable. Coupable. J'ai été au Burning Man, je suis désolé, je l'ai fait. Oh shit, t'es allé là-bas? Yeah.
Puis, c'est-tu aussi lit qu'ils disent? C'est fucking lit, mon gars. Tu okay. prends de l'acide, puis tu fais juste vivre le party. C'est 100 000 personnes dans un désert. Moi. Puis, il y a oh. plein de monde, comme il y a plein de super célébrités. Il y a des célébrités. Tout le monde est mélangé ensemble, genre? T'as des urgentologues, t'as de tout, là. T'as du monde qui font en sorte que cette société marche, puis ils sont là-bas complètement pété. Explosés. Mm. Là. Ils sont pas capables de dire des phrases complètes. Mm. Ils sont pétés, puis ils sont en jupe. That's crazy. Il y en a qui marchent, qui sont tout nus. Mais comme genre parce que le Tutu Tuesday, en tout cas, ouais, je l'ai fait. Le Tutu Tuesday? Ouais, c'est comme parce que t'es là-bas une semaine puis il y a une journée. Les conspiracy people vont te dire « Yo, t'as vu Hollywood, je t'ai dit, ouais, qu'est-ce ouais, qui se passe? » Ouais, ouais. Ah, oh, shit. Non, je voulais dire que comme il y a le Tutu Tuesday qui a la jupe, puis genre, c'est, il y a 100 000 personnes qui portent une jupe. Hmm. Fait que tout le monde a la jupe. Cool. Looks like a fun time. Ouais, vas-y, tu peux continuer. Young Thug avait déjà fait un show là-bas back in the day. Ouais, exact. C'est vrai? C'est Young Thug met des jupes. Ouais. C'est vrai? C'est pas assez hood, bro. Yeah, lui, il est connecté, ouais. man. Coupable ou non coupable, j'ai déjà pas de vos laissé émotions. Une fille dans une date. Coupable. Coupable. Oh non, bounce, oh, non. Mais je lui annonçais que dans une date, je lui annonçais que notre relation était terminée. Mon au deuxième service. Savoir, c'est... Deux sens. C'est ça. Mon deuxième service, j'ai dit que la facture, it's gonna be too. Oh, ouch. Ouais. OK. Coupable, j'ai déjà fait des commentaires sur les réseaux sur un fake account. Ah, ça aurait été mon rêve, mais non Rachel, coupable. Non, mais comme faire un faux compte puis brasser de l'amende, ça serait un rêve, ouais. mais non coupable. OK. Okay, on fait ça un ou l'autre ouais, ou quoi? Attends, j'en ai deux quick. Ok, bon. Vas-y. Coupable ou non coupable, j'ai déjà fait du chimique. Qu'est-ce que ça veut dire du chimique? N'importe quoi. Ben, t'es à la Burning Man. J'ai fait de l'acide. Coupable. Non, ouais, j'ai fait de l'acide. Je pensais que c'était joke. Moi, je me suis fait vacciner. Non, j'ai fait de l'acide. Ouais. Okay, LSD. Lui aussi, s'est fait vacciner. Okay, j'ai fait des bains de sel. Ouais, ça c'est. Coupable ou non coupable, j'ai déjà volé de l'argent à mes parents. Coupable. Non coupable. Ah, j'ai mon père avait un. Ah, attends, non coupable. Non, je m'associe avec. Non. Est-ce que j'en cite tes témoins, t'es coupable? Ta soeur a volé ta mère, c'est ça que t'as wow! fait? Oh shit! Non, coupable, non. Yo, tu l'as trop en de. Yo, ça, le gars, il a ça, c'est pas. Mais je veux dire, j'ai fait bébé à mes parents, les gars, c'est pas. Ça, c'est volé. Mon gars, ça, c'est tellement un gars privé. Yo, si ça serait ça, rap wow. game, tu serais 6ix9ine. Wow, tu serais 6ix9ine live. J'ai un wow. gars qui a dit, moi, j'ai déjà volé sa virginité. J'étais comme, oh shit, t'as mal compris ma question, mais bon. Je pense que les deux, c'était les frères et sœurs, les pères et mères. En tout cas, c'est une longue histoire. On fait les un ou l'autre avec les gars. Okay, un ou l'autre. Ça, c'est rapid fire questions, guys. Ça, on lance rapid ça. Rapid fire! Ça veut dire qu'on ferme notre gueule puis on répond. Non, non, allez-y. Vas-y. Stand up, vas-y. Tromper ta femme ou snitch un de tes gars? Ça oh, paraît. Hein? Le snitch, un de mes gars, mon calice, je l'ai mis en prison. C'est quoi le snitch? Tromper ta femme ou snitch sur un petit gars? Ah ouais. Ah, mais ma femme là, Emily, comme je m'en fous, je l'envoie en prison. Paye-moi cash. Ta femme là. Non, je snitch un. Ah, c'est pas des rappers, bro. T'as vu, c'est différent. Pas des rappers, bro. Non, c'est pas des gamins. Je vais snitch mes gars. Puis c'est eux qui vont tromper leur femme et snitch un gars. C'est exactement ça. OK. Un ou l'autre, stand-up américain ou stand-up français? Américain. Ah, stand-up américain. OK. Yeah. Goat, c'est qui? Rapide. Louis. Louis C.K.? Ouais. J'allais dire Dave, mais... Ouais. Non, Louis C.K. Dave, au début, il était insane. Ouais. Il est encore là. Il est excellent. C'est okay. juste que, comme au début, c'est comme... C'était wild. OK. C'était sauvage. Un ou l'autre, vagin ou bouche? Ouf! Vagin. Vagin. Parce que je peux faire les... Ah, fuck, mais la bouche, par contre... Il y a quelque chose qui me fait bander de la bouche. Il y a quelque chose de make-out. Moi, je... Yo, le make-out, tu sais, juste la salive. Mais tu peux make-out de peu... Le P, ouais, mais le P, il te le redonne pas en retour. Non, c'est vrai. Ça dépend de la gueule. Il te le redonne en retour, il te crache d'en face. Il te vient d'en face, il te crache, puis il dit, t'es moins qu'il y a rien comme ça. Bouche. À 100 000 à l'heure, bouche. Okay. Parce qu'une bouche, si elle me crache, je l'ai mérité. OK. un ou l'autre, Sugar Sammy ou Anna Sasuna? Sugar Sammy. Regardez le mal. Attends un peu. Là, t'es en train de dire comme un old school, un OG qui ouais, est établi. C'est ça. Avec un high c'est vraiment school qui Anas. Moi, je dis qui vous écoutez le plus. Moi, c'est Anas. Qui vous avez... Oh, ben, on écoute plus Anas. On écoute plus Anas. Je sais pas si c'est la dernière fois que j'ai vu Sugar Sammy. Okay. Je suis 100% Anas. Puis, ouais. Mais au début, quand je connaissais Sugar Sammy, c'était Sugar Sammy. Là, je connais Anas, puis je chill avec. C'est comme ça. Anas. Okay. Tu voulais juste plugger tu avec Anas Asuna? Non, je voulais juste plugger. Mais Charlotte Anas, il a fait Big Brother. Il a fait Big Brother. Il a fucking dead. Il est big, man. Il est venu ici avec quoi? Mon gars, il a pris des siestes, puis il a encaissé son argent. Ça, c'est à quel point il est rentré, puis il y avait toute la blague, il est rentré, il a dormi pendant tous les épisodes. Ouais. Il faisait ce qu'il a besoin de faire, il a collecté, puis il a bougé. Tu te rends compte que lui, pendant 7 semaines, il a récupéré du sommeil, bro. Il a dormi. C'est incroyable. Shout out. Puis nous, on fait ça bénévolement. Lui, on l'a rémunéré.
Puis c'est des bons cachets. Go get your money, Anos. Go get your money, Anos. C'est la fucking dead respect. OK, OK. Lover ou player? Moi, je me suis forcé un peu lover, ouais. Ouais, ouais, lover. Je suis un lover, je suis un gars de famille. J'aimerais ça être un player, mais je suis j'ai pas les capacités. Je pourrais... ouais. Moi, je veux... Parce que moi, tout ce qui manque, c'est des cheveux longs. Si j'avais des cheveux longs, bro, ouais. Oui. C'est justement mes cheveux, c'est un peu comme une éponge. Ça, je suis dans un club, comme je peux pas checker du monde. Moi, c'est que je slip trop. Je pourrais pas être un player. Guys, rapid fire question. OK, guys. Alcool ou buzz? Alcool. Fuck! Moi, je vais avec le buzz. Arabe ou black? Oh... Par rapport à quoi? Ah, c'est à qu'est-ce que toi t'interprètes? À femme, à ami, à bouffe, à n'importe quoi. Arabe, c'est une couleur? Arabe ou blanc? En général. Non, non, mais je te parle. Ouais, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ou. Ah, moi, c'est black, général, bro. Moi, c'est black. Black? Fuck, bon, je veux dire arabe. Ouais. OK. Mais t'as pas le choix. Ouais, Pop, je veux dire arabe. Mais toi, t'es big business ou t'es big business? Une femme loyale? Ouais. Ou autant de femmes que tu veux pour le restant de ta vie. Loyale. Une femme loyale, ouais, 100 000%. Loyale, 100 000%. Comment, les gars? Mais c'est, si t'es capable de trouver la femme loyale qui est comme toutes les femmes que tu voulais pour le restant de ta vie. Ouais. Ah, là, c'est là, t'as tu pas une femme loyale avec un doublement de personnalité. Exactement, quelque chose de psychotique, là, comme vraiment ah bon, ouais, hôpital, tout le kit. Elle a 12 personnalités, tu l'as pendant 73. C'est comme Netflix. Soit tu choisis la personnalité que tu veux cette soirée-là. Exactement. Puis tu connais ses triggers, parce que c'est toi qui l'as amené à l'hôpital plusieurs fois. Puis tu les connais. Tu dis son dossier médical, là. T'as fait le tour du dossier, tu le sais, puis après, quand tu le sais, c'est là que tu tires une balle. Parce que t'as fait le tour. Ouais. Sure thing. Plage, piscine ou jacuzzi avec DJ Crowley? Wow, jacuzzi avec toi. Je savais. Let's go! Shit, brother. Si je voulais être dans un jacuzzi plein de merde, je serais allé dans une rivière à Ohio. Oh my God. Le spill, là, tout ce qui est arrivé. Il connecte les nouvelles, les actualités. Yo, I won't leave you hanging. I won't leave you hanging. Je suis là depuis le début de l'épisode. Je suis pas capable. Si je vous dis... OK. Dave Chappelle ou Chris Rock? Dave Chappelle. Dave Chappelle, ouais, ouais, Dave Chappelle. Un ou l'autre, sexe ou barbecue avec les amis? Barbecue. Sexe. barbecue avec les amis. Barbecue avec les amis. Parce que là, on a un sexe, on a un barbecue avec les amis. Ouais. Pourquoi le sexe? Pourquoi le barbecue? Je le sais, c'est quoi le... Mais le sexe, c'est un moment incroyable. Le barbecue avec les amis. Ça, tu viens, vous voyez, bah, c'est fini. Barbecue avec les amis. So, OK, genre, barbecue, ça peut être la soirée. C'est une baisse... Une baisse de genre, on va puis se donner... Puis tu sais que tu viens vite. Non, il n'y a pas de baisse. Pourquoi qu'on dit sexe? Pourquoi qu'on dit sexe? Ou c'est comme, c'est ça, parce que ce n'est pas deux activités similaires. Okay, c'est 2-3 heures, quoi, ça dure de même. Moi, c'est une fraction de seconde, ouais, mais ça peut être... C'est est-ce moments. Que c'est le temps d'une soirée? C'est pas des moments, c'est une instance. Ah, OK, tu parles de chiller avant. C'est vraiment du BBM ouais, comme... par seconde, hein? OK. Hey, mes malades, on fast forward. Quelques heures plus tard. Un ou l'autre? Je suis tout mélangé. Les gars, ils... OK. Mariana Mazza ouais. Ou Louis-José Hood? Louis-José Hood. Louis-José Hood. Louis-José Hood. C'est un goat, ouais, c'est un goat. C'est un goat, ouais, c'est... Okay. Le pape Jean-Paul II ou le pape Jean-Paul III? Jean-Paul II, 100 000%. Mais Jean-Paul II, c'est parce que tout le monde le connaissait. JP2. Jean-Paul III, non, parce que si tu m'avais dit Bernard XVI, je n'étais pas un gros fan de Bernard XVI. Je veux dire, c'est pas, sa politique n'est pas la mienne. Mais après, maintenant, Papa Francesco, quand même, c'est un boy. Quand même, donc, entre Jean-Paul II et Papa Francesco, je pense que j'y vais plus pour Francesco. Quand même, papi, quand même, papou, il est comme off the radar. Puis quand il est dans le radar, il est comme, hey, we're sorry. Fait que c'est quand même nice. Ouais, il fait bien. Ouais, puis il s'est fait AI récemment en plus. C'est il y a une photo de lui qui porte un gros manteau blanc. Ouais, ah, c'est pas legit, ça. Non, c'est AI, ça. C'est pas encore voir. C'est fou, hein? Ouais. Fou, ça. Un ou l'autre, danseuse ou escorte? Danseuse, je pense qu'il y a moins de répercussions monétaires de un, puis de deux, je vais venir dans les jeans. Je pense que, ouais, c'est déjà... ça. Je pense que danseuse, il y a moins d'investissement émotionnel. Ouais, tandis qu'escorte. Ça se peut que tu pines pas. C'est pas grave. Okay. C'est pas grave parce que tout le temps, une prochaine fois, tandis qu'une escorte, c'est comme c'est rendu la routine. Ouais, c'est la marre de la routine. Danseuse, c'est tout le temps quelque chose de nouveau. T'es juste le numéro 10 dans Martine. Ouais. Martine, chante à Martine. Une danseuse, il y a tout le temps un nouveau beat, il y a une nouvelle dopamine, tandis qu'une escorte, c'est tout le temps. Ça va, Huberman? Jay-Z ou Drake? Drake, 100 000%. Ouais, ouais, Jay-Z, j'aime ça pour son côté business, c'est mais son flow m'a jamais. Moi, je suis un gars Drake. Ouais, je suis même pas un gars Drake. Je suis même pas un gars. Ah, ok. Non. Toi, Drake ou Jay-Z? Drake. Je sais, il déteste Jay-Z. T'as pas Jay-Z non plus? Parce qu'un moment donné, c'est pas que je le déteste pas, mais c'est, comme, c'est rendu comme une affaire, là, la réputation que je suis un Jay-Z hater. Ça me dérange pas, mais je trouve qu'on l'overhype des fois. Oui, oui. Mais il a quand même dead. Il a quand même dead. Il a dead. Il a dead. Il y a des classiques, il a dead. Il y a des classiques, mais il est pas the greatest by far, comme le monde y parle.
Mais le monde en parle vraiment que c'est the greatest. Oui, oui, c'est dans la discussion souvent. Tout le temps. Ouais, moi, je suis au plein milieu dans les concerts. On était à New York un moment donné, je faisais un set à Hot 97. Puis lui, il a rencontré une femme, puis il a chillé avec Jay-Z. Puis finalement, il a snatch, mais whatever. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ça? On continue, un ou l'autre. Club or house party? House party, 100 000%. Fuck les clubs. Fuck les clubs. General Tao. Qu'est-ce que t'as dit? General Tao. Big Mac. Cuisine libanaise? Poulet. Ou un bon cabane à sucre? Ah, cuisine libanaise. Bonne question. Bah, je viens d'aller à la cabane à sucre. Ça dépend de la vibe, mais ouais, je veux dire cuisine libanaise parce qu'il y a plus de pléthore. C'est bon la cabane à sucre. C'est pas qu'un bon. C'est sodium. Plus de pléthore et plus de choices. Ou marocain? Ouf. J'ai personnellement plus grandi avec des Marocains. Moi c'est les Algériens. J'ai plus grandi avec eux autres. Moi, j'ai plus grandi avec les Marocains. C'est juste... Maintenant, si on parle de sauce maintenant, la sauce algérienne ou la sauce marocaine? Je sais pas, j'ai jamais goûté. Il y a la harissa, c'est quoi la différence? La harissa? Je sais pas. Non, Marsala? C'est tunisien, je pense. Marsala, c'est indien. Il lance des questions, il est pas sûr. Indien ou hindou? Mentir à ta femme? Ouais. Ou mentir à ta mère? Ouf! On dirait que c'est plus facile mentir à sa mère que mentir à sa femme, je trouve. Ah, moi, je dirais, je dirais mentir à ma mère. Parce que t'as les fonctions de base de jeunesse de « Ah, t'as-tu fumé? Non, j'ai pas fumé. » C'est le truc que, comme, dans ta tête, t'as été conditionné à faire tellement de petits mensonges que c'est devenu normal, mais c'est pas bon. Pas si grave. Ça serait vraiment difficile. Ça fait partie de la relation, mentir un peu à sa mère. Et un peu à ses enfants. Ouais, ça me semble. Rachid Badouri ou Mike Ward? Rachid m'emploie plus sur Rachid Badouri. Mike, il m'a plus employé. Rachid, s'il te plaît. Rachid, s'il vous plaît, man. Comme show the guys some love. Comment? Gun ou couteau? Pour mourir ou pour tuer? C'est quoi cette question? Gun, je trouve que c'est plus cool. Mais couteau, tu peux couper du bois pour des feux de forêt. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que j'essaie une coupe d'affaires, puis si ça marche pas. Je préférais me tirer une balle dans la tête que de me couper la gorge, par contre. OK. Ah non, moi, ouais. Un an sans rien faire dans tout ce qui est humour ou 3 mois sans ta femme? 3 mois sans ma femme. Oh shit, shout out the wifey. Je t'aime, mon amour, mais c'est des jokes. 3 mois sans... OK, mais ma femme revient. Elle revient. Ça fait 3 semaines que je ne l'ai pas vue. C'est des verses. C'est que l'horaire est baisé, tu vois, on hustle, on travaille. Non, 3 mois sans ta femme. Okay. Un ou l'autre, doggy style ou sur le côté? Ouf, sur le côté comme ça? Ouais, classique. Que la fesse, ça pèse un peu. T'sais. Moi, qu'est-ce que j'aime? Sur le côté, le matin, des fois. C'est ça que j'aime du côté, tu restes jeune, bro. Doggy style, c'est comme ça fait partie d'une... Doggy style, mais sur le côté. Ah ouais, sur le côté. Doggy style, ça fait partie d'une tradition. C'est très traditionnel, ça fait partie des positions. Tandis que sur le côté, t'es comme, oh shit. Il y a quelque chose de comme... Mais c'est comme un doggy style aussi, c'est juste... T'es sur le côté, mais il y a plus de contact. Je faisais ça quand j'étais jeune. Plus de contact. Moi, je faisais ça quand j'étais jeune. Tu la réveilles le matin avec un sur le côté. C'est malade, quand t'es juste... Moi, c'est parce que, gars, il y avait un de mes amis qui pétait des filles dans le route puis conseillait sur le côté parce que doggy style, des fois, tu peux pogner des... Oui, back shots. Happy to the best of us. Fait que c'est là que c'est bon de faire... Puis elle a fait comme... Ouh, what the... Musique ou film? Musique. Film. Sauce à viande ou sauce rosée? Sauce rosée. Rosée. Netflix ou YouTube? YouTube. Clout ou cash? Cash! Du cash! Cash! Oh, fucking cash! Masari. Masari. Fuck it, mesh! Et le chanteur et l'argent. Les deux! Okay. Et le bonheur et le temps périllant. Fréquentation ou one night? Ah, fréquentation. Ah, c'est nice, fréquentation, parce que tu sais que ça va finir. OK, ça aurait une chose à dire à ton ex. Je m'excuse. C'est dommage. Yo, ça va? OK, si vous pouvez avoir un pouvoir... Si vous pouvez avoir un pouvoir de super-héros, ça serait quoi? Voler, moi c'est voler. Voler? Comme voler tout ce que tu peux voir, voler like BFT ou voler like ça, Superman? Voler, voler, okay. J'allais faire je une sais joke. Pas, moi, je... Boum, moi, t'en choisis un, bro. Moi, ça serait peut-être courir, moi. Courir fucking vite, bro. Wow. Comme quoi? C'est tellement un truc de latino, en fait. Je sais pas pourquoi. C'est un super pouvoir de... Super pouvoir de... Val en une minute, genre... Ouais. C'est, mais moi, je peux le voler. C'est ça. Mais imagine, tu voles à la vitesse que je cours, ça serait vraiment lent. On dirait que comme... les gens n'ont jamais pris en considération que la vitesse est comme. Non, mais comme. Imagine quelqu'un qui peut voler, mais tu voles fucking lentement. Mais toi, je cours à 120 km par heure, bro. Oui, toi, je sais, tu le fais comme ça.
Mais c'est tellement triste, tandis que moi, là. Mais quoi, il va aller à 7 km à l'heure. Est-ce que tu voudrais voler si tu peux seulement voler à 7 km à l'heure? Ça serait quand même malade. Ouais, c'est quand même fucking nice. C'est quand même fucking nice. Parce que tu peux faire des trucs, tandis que quand tu cours, t'as pas le temps de rien faire. Ouais. Excuse-moi, des moments marquants de votre carrière, puis parle pas des échanges avec Mike Ward, là, l'affaire que tu m'avais dit dans le party. Ok. Ouais, on va pas le dire. Moment marquant de ma carrière. Il faut dire un moment marquant ou quoi? Le plus marquant de toute ta vie, de ta carrière. Fuck. La première fois que j'ai fait rire quelqu'un, puis il m'a compris. Avec. Ah, non, mais je t'ai dit pas parler de ça avec là. Moment le plus marquant de ma carrière, what the fuck? Ben moi, c'est. Ok, il y a ça avec quelqu'un ou juste un moment? Parce que le moment, c'est vraiment la première fois que j'ai fait rire quelqu'un. C'est un moment ou quelque chose que t'es. Oh shit, tabarnak. Okay, ouais. Si toi t'arrêtes demain, fait... là, tu vas te retourner, tu vas te dire yo, ça, ce moment-là, c'était légendaire. Les shows que j'organisais avec un de mes boys au Cégep Vanier. Le mercredi au Poutine Bar, il y a une couple de fois que c'était fucking incroyable. Mm. Ok, ok. Ouais. Si je vous dis, c'est qui votre GOAT rapper of all time? Ah! Ouf, of all time! Of all time, rapid J-I-D. Fire. Qui? J.I.D.? OK, I respect it. Ouais. Mais il va être un GOAT. Il va être un GOAT. Ça va être très de base, mais moi, Kendrick, c'est mon... Kendrick? Ouais, Kendrick over Cole? Kendrick over Cole, oui, je suis pas un gros fan lui, du lui, show. Lui, c'est un Kendrick. Okay. Ouais. Moi, c'est un Cole. Si je vous dis humoriste GOAT of all time, France, anglais, tout confondu, américain. Hitler. Ça, c'est un clip. Yo, ça, c'est un clip. Ça, c'est un clip. Non, non, non. J'ai vraiment voulu provoquer. C'était pas vraiment drôle. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont rire parce qu'ils vont faire ça. Ils vont faire. Ça, sur toi, tu veux dire que c'est Kanye West, ton GOAT. Shout out. Tu vois? Humoriste GOAT de tout le temps, moi, c'est Louis. C'est Louis qui a changé ma vie. Moi, c'était Gad, mais après, quand j'ai appris qu'il avait volé des blagues. On a dû laisser Gad de côté. Ouais. Puis Louis, il m'a juste amené une approche parce que je commençais à parler de moi. J'avais pas peur de parler de qui que ce soit. So... Mais le gars qui m'a. Dis-moi, il y a George Lopez. C'est un gars qui m'a vraiment fait découvrir George le monde. Ah, OK. Ce gars m'a vraiment. Il m'a. Kevin Hart puis Jamie Foxx, c'est des bons gars. Oui, 100%. Le OG Kevin Hart. Moi, c'était pas ma génération. J'ai toujours trouvé Kevin Hart plus drôle dans ses films que ses stand-up. Ah, ses premiers stand-up, par contre. Ses premiers, Seriously Funny. Seriously Funny, c'est Grown Little Man. C'est un des meilleurs specials de l'histoire. Cette génération. Ah ouais. Mais après, je suis allé voir Kevin Hart. Sa caméra, elle est comme ça. C'est ça. Parce que là, sa caméra est tout le temps comme ça. Jamie Foxx, c'est moins votre génération, lui. Stand-up. Moi, je l'ai connu dans les films, Jamie Foxx. C'est pour ça que c'est un des avec le piano, petit clip sur YouTube. Il est incroyable comme artiste, mais ça n'a pas été vraiment mon... OK. Top 3 céréales of all time. Cinnamon Toast Crunch, Reese Puff, Captain Crunch. God damn, yo! La réponse la plus rapide. Reese Puff. Des gros choix. Reese Puff, Cinnamon, Frosted Flakes! OK. Frosted Flakes. Okay. Extra givré, là, c'est merde. Absolument, j'ai acheté des Cinnamon Toast Crunch. Tout le monde l'a dit. J'ai jamais mangé, puis à chaque émission... T'es un fou, t'as pas vécu encore. Mais tu sais quoi, yo, en même temps, yo, c'est... C'est une dépendance, je sais pas si tu la veux. Moi, je me suis vraiment sorti. Là, j'ai des céréales bio. Là. Moi, je mange maintenant des genres céréales bio. C'est comme c'est vraiment. Mais c'est bon, ça coûte le suicide d'assister. Non, non, c'est que tu choisis pas les bonnes. Il y en a des bonnes. Non. Elles sont pas vraiment bonnes. Il faut que ça pétille dans la bouche. J'ai des bons cooks, les gars. Ce matin, moi, PJ, on pull up. Moi, je suis vraiment. C'est quoi qu'on mange, Maton? Moi, je me vends. C'est quoi qu'on mange chez vous? Dans ma vie, je me vends. Ça, je suis fucking bon. OK. Ah ouais? Ouais. C'est quoi ton signature dish? Là? On s'en vient chez toi. C'est vrai que t'as une de la meilleure perico de la Colombie. C'est que moi, c'est pas typique. C'est moi, je te prends un. Toi, je pensais que tu parlais de cuir, la dope, toi, t'as acheté. Je pense que je serais quand même bon parce que j'essaierais tout le temps des affaires. Je mettrais un peu de Windex, mais moi, c'est que je prends une recette puis je la pimpe. Okay. Au début, j'apprends à perfectionner. Tu rajoutes 3-4 fromages de plus dedans. Ouf. Incroyable. Okay, c'est ça. Mets de la viande hachée avec des échalotes, je saute des champignons. Je mets un peu de genre de l'ail rôti avec du poivron rouge. Okay, God damn. Je mets du marsala puis je mets du bouillon de légumes. Je fais sauter. OK. Ouais. I respect it. C'est pas du cap. Là. Ça a tellement été rapide. Ouais, il a bien répondu. Là. Moi, je fais des bonnes céréales. Je suis pas très. OK. Je suis un vieux vegan. Il est bon pour faire des yogs. Mais mes céréales maintenant, je les bois, je les mange avec de l'eau. Ouais. Pour rester plus c'est santé. C'est tellement vrai. Justement, mais parce que je mets mon protein mix. C'est la tête que je me cognais la tête en dessous du lavabo. Parce que son père... Il fait... Anyway, ça va pas rentrer là-dedans. Tu te cognais la tête en bas du lavabo? Il fallait qu'il se cache. Il y a du monde qui venait collecter. Son père, il faisait... T'en rappelles l'affaire des verres? Est-ce qu'il y a tout un P-trap? Est-ce que les collecteurs, ils épargnent les kids? Il sait pas, il était dans l'entrée du lavabo. Il était barré, personne ne rentrait, là, il défonçait pas la porte, il y a le propriétaire qui arrive. Les verres, ils n'ont pas cassé avec la fenêtre, non? Ah, puis respecte quand même le propriétaire, il y a quand même un. C'est ça. Non, mon père, okay. Moi, j'en ai une. Avant qu'on aille au Patreon, big love tout le monde qui regarde. Quel invité que vous... Maintenant, vous avez eu un peu l'expérience temps d'un jujube. Quel invité que vous verrez faire le temps d'un jujube avec J7 et DJ Crowd? Mike Ward. Définitivement Mikey. There you go. Mike Ward. Nice. Je l'aime tellement, ce gars-là. Mike, c'est un bon gars. Tu es une légende aussi.
P.O. Forget, vous trippiez. 100 000% P.O. Forget. Oui, c'est un gros, c'est un de mes humoristes, comme up-and-coming humoristes préférés, c'est un esti de bon gars. Okay. C'est un des réguliers sur... Il y en a un que ça serait hilarant, c'est Joe Cormier. Bon. Joe Cormier. Bon, ah, ça reprenait des notes, ça c'est deux gros gars. Ça c'est okay. Des épisodes qui vont frapper des bonnes vues. Ça serait fou. Joe puis P.O. ensemble. Wow! OK, on lance ça dans l'air, là, on va essayer de faire ça. On vous connecte si vous avez besoin. 100%. Let's go. Ça soit ça, je le garde pour moi. C'est Michel, oui. C'est 100%. C'est Michel. Michel. Oui. Ah, il non, c'est, oui, c'est le ton. Conforme. C'est le ton, bro. Oui. Le ton, mon gars, les, juste les corps, les phrases. Pas trop de poisson, mais bon, on va garder ça pour le Patreon. C'est bon, tu vois, c'est Michel. Michel, bro. Michel, mon gars. C'est ton. Ouais. Elle était bonne. Yo, guys. Elle était bonne. Moi, j'aime. Non, j'aime. On va te body count, les gars, puis je parle pas de. On parle de. Body count, je pense, moi, je suis. Moi, je pense que tu peux le mettre. Moi, 5. Ah, body count de quoi? Combien de... Hein? Oh, combien de... Ah! Ça me fait tellement rire que ça... Ça me fait penser au... Le petit sifflet, là. De... Oh, shit, OK. Gros track, ça en vient. Il y a un gros verse. Comment ça fait ton body count? Non, j'ai pas dit mon body count. Your favorite ex-boyfriend. C'est quoi? C'est ça le nom du gars. Your favorite ex-boyfriend. Ça, c'est son nom d'artiste. Trop, j'écoute. Ah! Il y en a deux, trois. Hey, et puis il a continué, là, il est rendu à 6-7. Il y a un rapper que j'aime vraiment, c'est une affaire de comme genre Never Poor Again. Never Broke Again. Never Broke Again. NBA Young Boy. NBA Young Boy. C'est young Boy, NBA. Yeah, yo, lui, NBA il fait boy. Le plus de numbers que plein de monde, là, ouais, c'est fou. Vrai, yo, toi, lui, il m'a dit que Bad Bunny, il vibre beaucoup. Il est comme bon, il vend beaucoup. Bad Bunny. Okay. Il vibre beaucoup, puis tu fais ce move-là, c'est un prank, yeah. Mais ouais, il fait le plus de bread. Fait le plus de bread. La pire chose que vous avez acheté de votre vie. La pire. La pire. Fuck. C'était-tu les calmars que finalement c'était du poulet? Ça, oui. Ça, c'est une grosse erreur. Ça, mais je pense qu'il voulait dire comme une voiture, ouais, c'était en fait default, puis. Elle a presque die, là, mais ouais. Non, parce que même j'avais une auto que c'était un cancer, là. Comme mais j'ai pas fait. Moi, j'ai pas d'achat. J'ai pas d'achat rock'n'roll. Toi, tu gardes ton bread. Moi, j'ai juste 100 000 cash. I like looking at it. Si vous aviez une chose à changer dans votre vie depuis que vous êtes né, ça serait. Sors de ma vie. Fuck, une chose. Une chose que je peux enlever? Être plus... avoir une meilleure éthique de travail. Okay. Ouais. Dormir. Ça, ça aurait été mon rêve. Smoke meat ou clitoris? Ouf, smoke meat. Smoke meat. Je suis un nasty de porc. Le clitoris, c'est vraiment juste... C'est vraiment, à un certain point... Ah, toi, tu parles du smoke meat? Le une sandwich qui a un non, non, ce qui ressemble au smoke meat. Tu mets ta bouffe? Ah, OK, toi, tu parlais d'un sandwich. Moi, je parlais d'un sandwich. Lui, il parlait d'un vagin qui ressemble à un smoke meat. Ah, okay. Tu parlais quand ça ressemble. Moi, je parlais de sandwich. Ah, yo, les gars, mais lui, il parle quand les flammes, c'est un octopus. Ça, ça me dérange pas. C'est lui, il parle quand tu peux rentrer l'utiliser comme des draps. Là. Après avoir mangé, c'est ça. C'est un sleeping bag. C'est quand même. C'est le genre de truc, tu peux mettre comme un tempo. Oui. Il y a des fois, il faut que tu gardes. J'ai dit à la fille, mets-toi en l'envers, casse tes jambes. Exact. Mais oui, bro, tu sautes en parachute, t'as besoin du smoke meat. Saving your life. Tu le mets comme un tempo. Ça a l'air de. Ça, c'est bon. Oui, ça a l'air de la maison symphonique australienne à Sydney, la maison qui est comme ça, qui est tout fourbé, ouais, exact. Exactement, ouais. Ça, c'est une couverte king, finalement. Ouais. Oui. Un clitoris. Ouais. Un clitoris. Un clitoris de... Sure. Un pouce ou 7 pouces? Un pouce. OK. Parce que... Un pouce. Comment qu'elle disait... C'est quand même gros, non? Réussir de 5 moi, je prends 0.6. Avec White Knees. Glenn? Elle a dit qu'elle avait un clito vraiment long, là. Qu'il y a certaines femmes qui ont des clitos de même. Oui, c'est vrai. Ouais, Charlotte Guylaine Gagnon, il y en a 5. Do your thing. Respect. Respect, continue ce que tu fais. Pour les gens du Québec. Ouais. Yo, shout out vos réseaux. Où est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre? Avant, on fait quoi spécial? Attends, on fait un freestyle. Vas-y, go. Deux, trois bancs. Faut que tu m'en inscris, bro. Ah, mais on fait ça sur le Patreon, bro. OK, c'est bon. On va faire ça sur le Patreon. Restez connectés. On va faire des freestyles avec les boys. Pour l'instant, donnez vos réseaux, pluguez le podcast, numéro d'assurance sociale, qu'est-ce qui s'en vient, les shows. En passant, le monde qui écoute, on a sûrement déjà nos informations personnelles. C'est vrai que ça sort, on le dit, on s'en calme. OK, regarde, moi, j'ai mon spectacle solo qui s'appelle Je comprends. J'ai des dates à Montréal, des dates à Laval. Si ça vous tente de venir, Linktree sur mon Instagram, sur mon TikTok, sur mon... Puis Facebook. C'est quoi ton TikTok? C'est quoi ton Instagram? C'est quoi Jacob Ospian. Parfait. That's it. @EmileCoury sur Instagram, Facebook, @EmileCoury Live sur Twitter et TikTok. Je suis en tournée Big Business. J'aime ça. Ça, c'était mon surnom dans le temps, Big Business. Big Business? Wow.
Ouais, l'entraînement s'appelle Big Business. Après, j'ai changé de quartier. Il a fallu que je change tout ça. DJ Crown. Il y avait déjà deux Big Business dans ton. Quand t'arrives dans le The Hood, ils sont déjà le nickname. Non, il y avait deux Big Business dans un quartier. De... Okay, un peu défavorisé. Non, mais tu sais, B's and C's. Ah, deux blocs. Colors. Fait que toi, t'as choisi magenta, ouais, comme tu disais tantôt. Moi, je vois juste les magenta. J'ai fini dans le quartier gay. J'étais toute le couleur. OK. Hop. Let's go. All right. Well, this awkward gang moment was brought to you by Le Temps d'un jujube. Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe. Big love tout le monde qui regarde. Big love aux gars, encore une fois, d'être passé, man. Yes. Sérieux. Suivez-les. Supportez les gars, man. Tout le monde qui vient ici, c'est des gens à supporter, man. Y'all know what it is. On s'en va au Patreon. C'est le temps d'un jujube. C'est votre boy J7. C'est DJ Crowd. On s'en va au Patreon. Bow!